Comment ça va? Évite-moi. Tu sais très bien que je ne t'aime pas. Mêle-toi bien de tes affaires. Onochi, tu es mon frère. Je ne suis pas ton frère. Je n'ai qu'un seul frère. Prince Okezie. Je ne te prends pas pour mon frère biologique. Pour moi, tu n'es qu'une rivière. Comme je l'ai dit, évite-moi. Lolo, peux-tu m'accompagner pour aller rendre visite à une amie? Et tant que qui? Si les deux servantes qui t'ont été assignées par le roi ne suffisent pas pour te suivre où tu veux aller, pourquoi tu n'appelles pas ton mari, le roi? Je suis certaine qu'il va te rajouter d'autres gardes et les servantes. En fait, il peut demander à tous ceux qui sont dans ce palais de t'accompagner où tu veux aller. Imbécile. T'as pas de sens. Lolo, je ne suis pas en train de parler des servantes. J'ai juste besoin de sortir avec ma co-épouse comme des amis et pas de servantes. Nous ne sommes pas des amis. Nous ne serons jamais des amis. Nous sommes des ennemis jurés pour toute la vie. Quoi? Mais pourquoi? C'est parce que tu as volé ma destinée. Tu as volé ma vie. Tu as volé tout ce que j'avais hérité de précieux. Voleuse de destinée, pétasse que tu es. N'importe quoi. Ma princesse. Eminike. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ma princesse, ne sois pas énervée. Je veux avoir une discussion privée tête à tête avec toi. Donc, si ça ne te dérange pas, on peut aller de l'autre côté parce que quelqu'un... Tu vois, je ne veux pas qu'il ait nous... Tu vois? Eminike. Hein? Est-ce que tu as un problème avec ta tête? Quoi? Je veux dire, as-tu oublié que tu t'adresses à la princesse de ce royaume? As-tu oublié? Toutefois, dis-moi ce que tu veux dire, ici et maintenant même. Bien, ma princesse, c'est bien. Ok, puisque tu n'aimes pas la confidentialité, je peux alors le rendre public. Vas-y, parle! C'est bien. Ma princesse, ne sois pas énervée. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Au fait, promets-moi que tu ne seras pas fâchée. N'importe quoi. Eminike, j'ai dit, dis tout ce que tu as à me dire. Dépêche-toi, vite. Ok, c'est bien. Oh, Chineke, bien, ma princesse, s'il te plaît. Est-ce que tu as un mari spirituel? Es-tu stupide? Eminike, es-tu malade? C'est quel genre de question bête, hein? Maman, princesse, doucement, ce n'est pas une question d'hurler. Tu vois, pourquoi aucun homme ne frappe à ta porte, bien que tu sois une princesse? Tu es vraiment un fou. Le Nuyam Festival de cette année sera très spécial. Savez-vous pourquoi? Votre Majesté,
Vous ne nous avez rien dit. Oh, ce même jour-là, je vais célébrer mes 68 ans d'anniversaire. Oh, c'est une excellente nouvelle. Oui. Quelle coïncidence. Donc, c'est votre 60e festival du Nouvel Igname que vous allez assister? Oh, bien sûr. Exactement. Et je voudrais y participer encore plus. Ouais. Ici. Et pour cela, je voudrais que sa célébration soit grandiose. Alors, dites à l'annonceur de passer le message partout. Et même au-delà des frontières de Arrowhead, qu'il invite tout le monde à venir ici. Car il y en aura assez pour manger et boire pour que nous puissions nous réjouir. Ici. Que tes jours soient longs. Ici. Ça, c'est une bonne nouvelle, Igwe. Tout le monde est invité. Oh oui. Ça sera fait, Votre Majesté. Ma princesse, calme-toi. Je te calme. Ce n'est pas une question d'hurler et méniquer. Non. Ce n'est pas une question d'hurler. Et pourquoi je dis ceci? Parce que très bientôt, la ménopause frappera à ta porte. Hein? Ok, je vais te poser cette question. Que diras-tu à tes ancêtres quand tu les auras finalement joints sans avoir aucun enfant qui est tien? Je vois vraiment que tu es un fou. Eminike, laisse-moi te dire ceci. N'oublie pas que tu es en train de t'adresser à la princesse et de ce royaume. Celui qui se tient debout ici, celui qui te parle maintenant, est le chef de la garde de ce royaume, pas le chef de la garde du palais. Le chef de la garde du royaume entier. Et maintenant, écoute-moi très bien, Eminike. Si tu ne présentes pas des excuses que je mérite ici, dans ce palais, je te promets... Je vais m'organiser qu'on te chasse. Va, t'assois quelque part. Et écoute-moi, Adanaya. Si je ne reçois pas l'attention que je mérite en tant que le chef de la garde de cette communauté, j'organiserai ton kidnapping. C'est très simple. Tu dois être qu'est-ce que tu peux faire? Eminike, tu es un fou. C'est quoi ça? C'est quoi ça maintenant? Hein? Pourquoi les gens n'aiment pas écouter la vérité? C'est quoi juste? Mon ami, va te trouver un mari. On verra alors. Je le ferai éminiquer et on verra très bien. Arrête de te coller à moi. Pourquoi tu te colles à moi? Es-tu une malade? Princesse sous mes pieds. Un rat ordinaire. Wow. Donc si j'avais fait mention de Dieu serpent, tu aurais laissé mon écritoire écrit sur ton papier. Regarde-moi ça, idiote. N'importe quoi. Donc tu pensais que tu pourrais t'en aller comme ça? Va-t'en, idiote. Regardez-moi ça là. Il me déteste. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il vous déteste? Il a l'impression que je le prive de la possibilité d'être le prochain roi de ce royaume. Oh. Mais mon prince, ce n'est pas du tout votre problème. Je veux dire, c'est ce que les dieux ont déjà planifié. Exactement. Mais il a refusé de reconnaître cela. Mon prince, pour être honnête avec toi, je t'aime beaucoup. Malheureusement, cet amour n'a pas de sens. Nous ne sommes pas de la même classe, et tu le sais. Ugoma, cet amour ne manque pas de sens. Je t'aime. Et si tu m'aimes comme tu le prétends, accepte ma proposition. Je te promets que je te protégerai contre tout. Je serai là pour te défendre, Ugoma. Mais mon prince, tu es de la royauté. Et je ne suis qu'une servante, une esclave dans le palais. Mon prince, tu ne le vois donc pas? Tu es un être humain. S'il te plaît, laisse-moi prendre soin de toi. S'il te plaît, accepte-moi, Ugoma. Mon prince, vous devez faire beaucoup attention.
En tout cas, beaucoup attention. Pourquoi? Tu crois qu'il pourrait vouloir me tuer? Mon prince, seule une personne jalouse peut faire ce genre de choses. Non, non, je veux dire, je sais qu'il est méchant. Mais il ne peut pas aller jusqu'à ce point, non. Non, je ne le pense pas. Oui, mon prince, vous devez faire beaucoup, beaucoup attention. Vous savez bien combien est-ce que je vous aime, alors je ne veux pas vous perdre. Écoute, je ne veux pas vous perdre. Tu ne vas pas me perdre. D'accord? Ça va aller. Êtes-vous sûr? Maman, tu m'as appelé? Bien sûr que oui, prends place. Ta sœur m'a dit que tu as vu derrière la maison avec une servante. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? Bien, c'est mon ami. On était en train de discuter. Quoi? Oh, Kézier. Comment? Est-ce que tu réalises la personne que tu es? Une royauté. Sais-tu que tu es un prince? Elle n'est plus ce qu'elle était. Elle commence à nous éviter, mes enfants et moi. Elle nous considère maintenant comme des obstacles. Vraiment? Oui. Alors pourquoi ça te dérange à ce point? Laisse-moi te demander, est-ce que c'est elle qui te nourrit les enfants? C'est elle qui t'habille? Non, votre majesté. Tout ce que je veux, c'est entretenir une très bonne relation avec ma co-épouse. Nous devons être unis dans le palais. Puisqu'elle n'en a pas besoin, alors pourquoi continuer à jouer à la folle? Ne sais-tu pas aller à la rencontre de princesses? Ou encore aux filles des gouverneurs, des magistrats, des docteurs? Maman! Maman, s'il te plaît, je suis désolé de te couper la parole, mais tu as déjà assez parlé. Maman! Maman! En me citant le genre de personnes dont je dois fréquenter les filles, ce n'est pas du tout m'aider. C'est pas juste. Maman, c'est pas juste. Maman, je suis désolé de le dire, mais ton père n'appartenait à aucune de ces classes. Il n'en faisait pas partie. Quand mon père avait payé ta dot. Ok, Zier. Maman. Qu'est-ce que tu viens de dire? La vérité, maman. Maman, puisque tu ne parles pas, puis-je partir? Merci. Tu m'aurais dit que c'est ce que tu voulais. Je peux toujours engager une femme qui pourrait te tenir compagnie à tout moment que tu voudras. Voilà donc. Non, votre majesté. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la femme à laquelle je partage le même mari? Ne sommes-nous pas censés faire cela? Je t'en avais déjà parlé et je ne vais plus le répéter. Je marche avec une philosophie dans la vie. Je n'aime pas quiconque me hait. Mes femmes, je pourrais te promettre une chose maintenant et tout de suite. Ton fils Ikena me succédera. Et rien ne pourra changer cela. Tu as ma parole pour ça. Merci, mon roi. Tu es le meilleur. Très bien. Va me faire un peu de thé. D'accord. Merci. Mon amour. Ouais. Tu ne peux pas croiser les bras et regarder une autre personne et ravir ce qui est à toi. Tu as dit ce qui est à moi. N'est-ce pas réellement à moi? Parce que même la tradition le dit que le premier fils du roi est bien l'héritier du trône.
Exact. Tu sais très bien que je ne suis pas l'aîné. Je le hais parce qu'il est même le fils aîné. Il a bien toutes les chances de devenir le prochain roi de ce royaume. De quelle tradition insensée que tu parles? C'est les hommes qui l'ont initié. Ce sont eux-mêmes qui peuvent changer cette mentalité. On est héritier du trône par alliance de mariage et non parce qu'on a une meilleure position. Non, c'est pas vrai. Royal Outcast. J'ai réalisé que les bonnes choses dans la vie ne viennent pas facilement. Toute chose a un prix à payer. Je t'ai donné le nom de Ogoche depuis ta naissance parce que j'ai su que tu allais avoir une grande destinée. Ce sont les hommes qui ont fait la tradition. Ce même homme peuvent l'amender. Mon fils, tu as toujours la chance de devenir le prochain roi du royaume de Oumuese. Fais le plus important pour toi en prenant la situation en charge. Tu en as les capacités. Ne baisse pas les bras, Biko. Ce n'est pas en vouloir à qui que ce soit. Deviens l'homme que tu dois être. Sois un homme. Tu crois que je suis qualifié pour ça? Il n'est pas question de réfléchir, je sais. Chérie, tu es né pour succéder ton père. Seuls les violents s'en emparent de force. C'est ça l'esprit. Tu es un lion. Tu y arriveras. La royauté te convient. Les hommes de destinée ne croisent pas le bras, mais ils combattent pour atteindre leur objectif. Lève-toi et lutte pour ce qui t'appartient. Merci, mon amour. Allez, viens là, viens là. Allez, viens. Tu sais que je t'aime. Ma femme, ma va princesse. Voir qui est devant le portail. Ok, ma princesse. Oh, mais regardez qui ma est là. Ma princesse. Oh. Ma beauté, mais comment tu vas? Je vais très bien, ma princesse. Et toi, comment vas-tu? Hein? Ben, comme tu peux le voir, je vais très bien. Je peux bien le voir. Est-ce que Okena est là? Okena vient de sortir il n'y a pas longtemps. Mais ne va pas traîner. Bon, t'inquiète, c'est toi que je suis venue voir aujourd'hui. T'es venue me voir? Oh, désolée, viens t'asseoir. J'ai oublié le mot. À propos, tu es bien habillée aujourd'hui. Oui. En tout cas, merci beaucoup, ma princesse. Dorothée? Oui, ma princesse. Apporte-moi une bouteille de vin et deux verres. D'accord. Alors raconte, quel bon vent t'amène? Vous êtes là-bas, si ce n'est pas pour marquer des buts. Ah, Emenike. Hein? Allons-y. Comment tu vas?
Es-tu au courant que tu es assise dans une salle royale? Hein? Je suis aussi. Non. Attends. As-tu perdu tes sens? Non, Lottie, je n'ai pas perdu la tête. Je suis avec ma tête. Hein? Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas de bonne humeur. Et s'il arrive seulement que je la perde, hein? Je vais fermer mes yeux. Alors, sors de ici. Sors d'ici. Ne le perds pas, ne le perds pas encore. Non. Hein? Écoute, je suis venu ici pour parler avec toi. Et quand je suis venu, j'ai découvert que c'est libre et je me suis dit que c'est bien. Je vais m'asseoir ici et quand tu arrives, tu vas t'asseoir ici. Et puis, bah, c'est pourquoi je suis là, regardant le match. Ouais. Tu veux venir à mon ça? Ouais, c'est très important. Donc, tu peux te mettre à l'aise, tu peux t'asseoir, soit ici ou bien là-bas. C'est très important. C'est parfait. Écoute, vas-y. Pas de problème. Mais laisse pas te dire bien avant. Je te l'ai dit que je ne suis pas de bonne humeur. Alors, je ne suis vraiment pas prêt à écouter de la merde. Si tu oses utiliser tes mots blessants sur moi, tu n'auras que toi pour te blâmer. Pas de problème. Assieds-toi. Alors, mon prince, qu'est-ce qui s'était passé hier? L'avait-elle raconté à la reine? Tu connais ma sœur. Tu sais ce qu'elle est capable de faire. Bien sûr qu'elle lui a dit. Alors, qu'est-ce que la reine a dit? Elle a dit que je suis un prince et je ne peux pas fréquenter une servante. Mon prince, tu vois? Tu vois de quoi je t'ai parlé? Nous appartenons à des mondes différents. Ça ne pourra pas marcher, je te l'ai dit. Ugoma, ne t'inquiète pas à propos de ça. Je t'aime et je lui en avais déjà dit. Je lui avais dit que je t'aime et je ferai tout ce que je pourrai pour te protéger. N'aie pas peur. Je serai là avec toi, ok? Arrête, ne fais pas cette tête. Viens. Écoute-moi, mon ami. Tu es un prince. Il ne veut pas dire que tu es plus sage que moi. Je suis plus âgé que toi. C'est vraiment à moi que tu parles? Donc dis-moi qui d'autre ici avec nous, si ce n'est pas toi et moi. Donc c'est à toi que je m'adresse. Regarde ici, il n'y a plus d'autres personnes ici. C'est toi et moi, donc c'est à toi que je m'adresse. Hein? Mais Nakom... Es-tu au courant que tu... Mon ami, tais-toi! Oh, désolé. Tais-toi. Tais-toi. Écoute. Tu es le prince. Ne veux pas dire que tu peux me parler n'importe comment. Écoute, je suis le chef de la garde, pas seulement de ce palais, mais du royaume entier. Donc, tais-toi. Oh, tais-toi. Écoute-moi, mon ami. Tu ne peux pas te battre avec ton frère. Parce que il est le préféré de devenir le roi Mba. Plutôt, fais de lui ton ami. Afin que vous puissiez vous joindre les mains et diriger ce royaume paisiblement. Quand votre père, le roi, aura rejoint ses ancêtres. Tu comprends ce que je dis? Écoute-moi bien. Le frère de roi est aussi un roi, toi, malade. Si je t'entends encore, tais-toi. Si j'entends encore ta voix, si tu essaies ça à nouveau, je vais t'arracher les deux yeux et te donner au vautour. Non mais es-tu devenu fou? Non mais franchement, tu réalises à qui tu es en train de parler? Non. Tu réalises que tu parles à Onoji? Désolé mon prince. Le prince couronné de ce royaume. L'héritier même du trône. Idiot. Si je t'entends parler,
je vais te tuer. Et écoute, tu sais très bien que je peux te tuer là tout de suite, te jeter à la poubelle sans que personne ne sache. Espèce d'idiot. Stupide. Et surveille-les. Vient-il de me gifler? Ou bien c'est un coup? Ça ne ressemble même pas à une gifle. Non, c'est pas seulement de la gifle, non, c'est des gifles, coups, gifles. Oh, Dieu, je ne te blâme pas. C'est mon père inutile que je blâme. Je veux rien comme père. Qui ne m'a rien laissé comme héritage. S'il l'avait fait, serais-je ici en tant que garde? Serais-je ici en tant que garde? Et vous aurez l'opportunité de me gifler, donner des coups, gifler, donner des coups. Ma princesse, j'ai peur. Je suis confuse. En effet, je n'ai même plus la joie en moi. Tu sais combien j'aime le prince Okena. Je l'aime tellement que je ne voudrais même pas du tout le perdre. Mais récemment, je l'ai vu avoir un peu peur à propos de ces choses. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ne dois pas le perdre, ok? Okena est exactement comme ma mère. Ça fait très longtemps que j'essaie de faire voir à ces deux-là la vérité qui se pointe devant leur nez, mais ils refusent de le voir. Mais tu sais quoi? Tu dois te calmer. Détends-toi, tout ira bien. Je vais causer avec lui à son retour, ok? Tu vas le faire? Bien sûr que je le ferai. Merci beaucoup, ma princesse. Je vais vraiment beaucoup apprécier. Tu n'as pas besoin de me remercier. Ce que je veux, mais c'est que tu prennes ta boisson. Tu sais, ma princesse, ces gens sont très mauvais. Ils sont très méchants. Tu sais, à chaque fois que je les regarde, je ne vois que la méchanceté. Ma princesse, ces gens peuvent bien tuer. Je suis vraiment sûre à propos. Ils peuvent. Eh ben, voyons voir la fin de ces voyages. Allez, vas-y, prends ta boisson. Allez, fais-moi un sourire sur ces beaux visages. Hey, viens ici. Désolé, monsieur. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon, monsieur. Tu es désolé, monsieur? Que fais-tu ici? Rien du tout. Es-tu malade? Es-tu malade? Quand tu dis pas rien? Non, dis-moi, pourquoi ne ferais-tu rien? Hein? Mon ami, vas-tu quitter ici maintenant? Disparais de ma vue! Hey! Idiot! Mieux! Ça, c'est de l'hiérarchie. Parce que cet idiot-là qui se fait appeler prince pense qu'il peut me gifler juste parce qu'il est prince. Il avait déposé une gifle, et je l'ai transférée à cet idiot.
Reviens ici. Reviens ici. Tu es où? Reviens. Tuer quelqu'un n'est pas un crime. Quand tu tues quelqu'un pour une bonne raison, les gouvernements vont te pardonner. Les gens qui sont là et tous ceux qui attendront cela vont te pardonner. Mais quand tu tues quelqu'un pour une raison non fondée qui ne mérite pas à ôter la vie humaine, ma chère, ça sera considéré comme un grand crime et tu ne seras jamais pardonné. Au fait, tu risques de finir en prison ou être tué également. Oui. Ok. Et personne n'en parle. Oui. Ma reine, as-tu fini? Oui, je m'en vais, j'ai des choses à faire à la maison. Tu as passé le message? Oui, bien sûr. Très bien, merci. Il n'y a pas de problème. Bonne route. Le plaisir est partagé, ma princesse. Au d'accord, revoir. Merci, oui. Ma chère. Bye. Une salutation à ta famille. Oui, merci. Elle est vraiment très intéressante, maman. Franchement, elle est très intelligente. Je te jure, elle va très bien avec notre famille. Tu peux le dire encore. Ta mère est sage et très belle. Tu sais ce que c'est mourir? Oui, ma reine. Et tu n'as pas peur de ça? Non, j'en ai peur. Tu veux perdre ton job avec tous les avantages qu'il y a dans ces palais? Non, ma reine. C'est ça qui sera ton sort. Si tu ne restes pas loin de mon fils. Disparais. Regarde-la. Père, je veux être le prince couronné de ce royaume. Onuche, mon fils, tu ne cesseras jamais de me faire rigoler. Si j'ai une bonne mémoire, je fais un très bon boulot pour t'élever comme un jeune homme que tu es devenu aujourd'hui. S'il te plaît, ne me fais pas croire que tous ces efforts que j'ai fournis n'ont servi à rien du tout. Je sais que je t'ai appris, toi et tes frères, de manière profonde, la tradition de notre terre. Je vous avais très bien enseigné, sachant très bien que peut-être dans l'avenir comme aujourd'hui, vous en auriez besoin. S'il te plaît, ne me dis pas que tu n'avais rien retenu par rapport à toutes ces séances. Père, j'ai appris. Très bien. Et je suis même allé au-delà de tout ce que tu m'as enseigné ainsi que ma sémence. Par mes recherches, j'ai découvert que toutes ces traditions ont été établies par des humains. Génial! Mais sous l'inspiration de Dieu. Et je pense que c'est ce que tu as oublié de dire. Et dis-moi, père, es-tu prêt à le jurer? C'est bien possible que tu sois plus sage que tous ces gens qui ont établi ces traditions. Et tu penses que tu es tellement sage jusqu'à tel point que tu veux la modifier? Oh non, tiens. Père, c'est vraiment évident que tu me détestes. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour te plaire, te faire changer d'avis pour faire de moi le prince. Mais il y a une chose que je veux te promettre, père. Avec ou sans toi, moi, prince Onuchi, porterai cette couronne. Si tu oses bouger, même d'une semelle, je ferai en sorte que le reste de tes jours soit misérable. Ça sera tellement misérable que ce qui va t'arriver
ferait mieux être imaginé que discuté. Ose bouger. Tu as peut-être oublié que je suis le roi. J'ai convoqué cette réunion parce que j'avais une chose très importante à vous dire. Vous êtes sans ignorer que nous, je voulais dire entre notre famille et la leur, le courant ne passe pas bien. Je suis très fan d'un adage qui dit « Celle ou celui qui veut dîner avec le démon, il doit utiliser une très, très longue cuillère. » Ce que je sais de dire est que nous devons éviter ces gens, ils ne sont pas bons. Si nous tenons vraiment à nos vies, tu as raison, ma princesse. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre ainsi? N'est-ce pas qu'il est préférable de vivre dans la paix et l'harmonie? Sinon, personne ne sera à l'abri. Exactement, exactement. De même que moi aussi, parce que si nous commençons à leur répondre par la haine maintenant, cela leur mettra mal à l'aise. Et qui sait, ils pourraient commencer à comploter quelque chose contre nous. Ces plans ne vont marcher que si on se laisse faire. Ugo, écoute, personne ne nous voit, c'est seulement toi et moi. Et Ménique, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Je vais te parler. À quel sujet? À propos de mon amour pour toi. Écoute, Ugo, je t'aime. Une faveur. Hey, demande-moi tout ce que tu veux et je le ferai. Je te dis, si tu fais seulement, je le ferai. S'il te plaît, faisons comme si on n'a jamais eu cette conversation. Bêtise. Bien sûr, nous sommes en train d'avoir la conversation. Bien. Hein? Je n'ai rien entendu. Hein? Viens m'excuser. Mais, écoute, on peut le faire. Ugo, attends, seulement un bisou. Eminike, mais qu'est-ce qu'il y a? L'amour, c'est du fond de mon cœur. Essayes-tu d'ignorer ma relation avec le prince Okezie? Dis-moi. Non, fais-moi comprendre. Est-ce que c'est la relation sérieuse? Hein? Tu peux l'appeler comme bon te semble, ça m'est égal. La vérité est qu'il ne se passera rien. Rien ne se passera entre nous, donc arrête de me déranger. Qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit. Et je serai très ravie si tu le mets en pratique. Parce que la prochaine fois que tu me stopperas pour me raconter ce genre de bêtises, tu ne me laisseras pas d'autre choix que celui d'aller les raconter au roi. Foutaise. Je t'aime, amour mon œil. Regardez la main. C'est à moi que tu parlais. C'est grammaire. Moi. Et Ménique, que Dieu te punisse. Regardez-moi cette idiote à qui j'ai menti. Parce que j'ai menti à cette imbécile qu'elle est belle. Alors sa tête a commencé par se lever et son corps se. Qui est belle. Regardez ce fantôme. Un cinquième, la banane. Corps. Parce que je t'ai menti, que je t'aime. Je n'ai même aucun sentiment pour toi. Car, c'est moi que tu as chanté cette bêtise. Pas de problème. Je te reviendrai. Je te reviendrai, moi, Eumenique, le PDG de ce palais. Ugo? Mère, peux-tu imaginer? Il m'a regardé dans les yeux. Et m'a dit que je ne deviendrai jamais le roi de ce royaume. Malheureusement, ce n'est pas lui qui revient le dernier mot. Parfait. Nous avons de faiseurs de rois dans cette communauté. Mon fils, va les rencontrer. Parle avec eux, donne-leur des raisons valables pour toi et tant qu'héritier du trône. Si tu arrives à convaincre deux d'entre ces quatre faiseurs de rois, tu seras le prochain à être couronné. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir donné une aussi brillante, magnifique femme comme mère. J'aime
comme ça. La plus belle des femmes dans ce monde. Merci. Et en ce qui te concerne, tu es Onuchi, vice et nom. D'accord? Merci, mère. N'aie pas peur. Tout va bien. Merci. Merci, mère. Je veux dire, comment peux-tu te battre avec ta mère à cause d'une esclave? As-tu oublié que tu es un prince? Ça ne me dit rien, ça. Royauté ou esclave, nous sommes tous humains. Et nous avons une chose en commun. Sais-tu ce que c'est? La mort. Nous allons tous mourir et cela nous rend égaux. Toi et maman ne devraient pas nier le destin de la pauvre. Maman ne venait pas d'une famille riche. Mais mon père avait payé sa dot. Aujourd'hui, elle occupe la position de la reine mère dans ces grands royaumes. Peux-tu arrêter de penser comme un fou et réfléchir? Non, mais tu dois bien agir. Garde ces biens pour toi. J'en ai pas besoin. Tu ferais mieux de penser à propos. Non! Arrête! Ma princesse. Oui. Ce garçon-là est un idiot. Ce garçon. Ok, alors, tu sais quoi est-ce que je veux? Tu es très belle. Comme ça, yeah. Ouais, écoute-moi, c'est ce qui va se passer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Es-tu sérieux? Ouais. Cette pastèque est bien juteuse. Ok. Que moi aussi je fasse quelque chose de différent. Ok. Allez. Hein? Allez, prends. Hein? Je te les donne. Mange. Je mourrai. J'ai découvert depuis que mon avenir est brillant. Et je n'avais jamais su que tu serais la source de la lumière. C'est pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose de différent pour toi, ma princesse. Je t'aime du fond de mes reins. Parce que tu es si spéciale pour moi, j'ai décidé de faire une chose différente.
C'est pourquoi j'ai fait sortir de mon amour de mes reins. De mes reins pour toi. Tu es la personne la plus drôle que je n'ai jamais croisée. Je sais, mais tout pour toi. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Waouh! Chai, je suis reconnaissant. Je suis très... Non, allez, Emelie, arrête! Tu sais quoi, ma princesse? Quoi? Je veux que tu me donnes ce baiser passionnant. Oh. Dans le macabre, tu l'as toujours fait. Tu veux juste me sentir, tu vois, comme si j'étais au ciel. Ok, tu sais quoi? Ferme tes yeux. Oui. Je t'ai demandé de fermer les yeux, Emelie. Oui. Quelque chose de fabuleux sur le point terminé. On y est presque. Emenike. Oh, c'est qui l'idiot là? Lolo veut te voir. Toi et Lolo là être des idiots. Hein? C'est quoi sa bêtise maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut me dire au point qu'elle ne pouvait pas attendre jusqu'à ce que je finisse ce que je faisais dans l'autre monde? Hein? Dis-moi, pourquoi me demande-t-elle? Au fait, je ne sais pas. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu viennes immédiatement. Quitte ici. Quitte ici maintenant, même idiot. Tu es encore idiot. Je ne sais pas comment le serais-tu quand tu as perdu ton intelligence, idiot. Votre Majesté, en effet, le festival de cette année était remarquable. C'était pour moi le meilleur. Je suis très content parce que nous avons réussi à les réaliser à mon goût. Et surtout le fait que mon nom sera gravé dans l'histoire du royaume d'Aromonese. Parce que je suis le seul et l'unique roi qui a sponsorisé le Nuyam Festival. Singulièrement. Votre Majesté, la loyauté régnera jamais dans ce royaume. C'est... Bien, parlons maintenant des affaires du jour, ok? La raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion. Votre Majesté. Les anciens de Aro Umwenza, je suis venu livrer un message de Dieu. Le temps est venu de donner au véritable prince sa juste valeur, comme le prince légitime de Aro Umwenza. Et ceci doit être conclu le jour ou avant 14 jours du marché à partir d'aujourd'hui. Votre Majesté. Je vais dire, c'est vraiment drôle. Je ne m'attendais même pas à ça. Es-tu sérieuse? Olochi, qui t'a demandé de prendre cette bouteille de vin dans le bar? Ne savais-tu pas que c'est pour mes visiteurs que je veux recevoir demain? Es-tu malade? Hein? Es-tu folle? Bordel, c'est quoi ton problème? Comment as-tu osé me jeter le vin? La prochaine chose que je ferai, c'est prendre cette bouteille et la briser sur cette chose que tu appelles cou. Dégage de ma vie, pauvre idiote!
Disparais! Sale macaque! Fils. Père. Je t'ai emmené ici pour te parler de quelque chose de très important. Les dieux nous ont donné 14 jours pour que nous présentions l'héritier du trône et le rendre prince couronné. C'est toi qui es l'héritier apparent du trône. Alors tu dois être prêt. Père. Père, je vais te dire merci pour l'amour que tu nous montres. Je veux dire moi, ma mère et ma sœur. Je te promets que je ne vais pas te décevoir. Ok, mon fils. Ne fais pas comme si j'étais partiel. Non, je ne le suis pas. Je ne fais que faire les choses en rapport avec la tradition. Le trône te revient de droit. Et c'est la vérité. Ma princesse, non, non, non! Je ne suis pas d'avis avec toi. Tu t'es vraiment partie très loin. Tu devais la laisser partir avec le vin. Tu dois arrêter ça, non? Alors, donc je te démontre, et après quoi? Tu vois ses comportements. C'est ça l'attitude qu'elle et sa mère affichent à tout moment. Il n'y a que mon frère et ma mère qui peuvent l'avaler. Chez moi, ça ne va pas passer. Ont-elles déjà acheté quoi que ce soit dans cette maison? Si elle avait gardé le vin pour ses invités et que je l'ai prise, et après quoi? Est-ce qu'on est en train de jouer avec ça? Ou soit cela veut dire que ça lui appartient? J'insiste que tu étais parti très loin. Tu devais lui montrer la maturité. Ok, et si alors c'était elle qui avait acheté cette bouteille pour ses visiteurs? Avais-tu pensé à propos? Eh ben, il y avait plusieurs façons d'aborder ces problèmes. Pas de la façon dont elle s'était prise. Si sa mère ne lui avait pas appris des belles approches, je le ferais. Je suis sa grande sœur, alors elle me doit du respect. S'il te plaît, aujourd'hui c'est toi qui es assis là. Tu vois cette petite idiote qui vient juste de partir? Elle allait faire la même chose même si c'était un étranger qui était là. Et cela allait être une très grande honte pour moi. C'est quoi cette foutaise? Elle me doit du respect. Elle ne peut pas débarquer de nulle part et venir prendre la boisson sur la table pendant que je suis en train de boire. C'est quoi ça? Tu sais, je vois que tu as raison. Mais j'insiste en disant que la violence ne résout aucun problème. Merci pour le conseil, mais aujourd'hui je passe. Écoute, une chose de plus. Qu'est-ce que c'est, père? Très confidentiel. Approche. Ça ne doit rester qu'entre toi et moi. Personne n'en sait rien du tout. Pas ta mère, pas tes sœurs, et même pas les gens qui en feront partie. Jusqu'à ce jour-là, je ne veux pas que quelqu'un l'apprenne. Alors garde ça pour toi. D'accord, père. Tu peux compter sur moi. Très bien. Merci. Comment ta stupide de fille peut oser verser une bouteille entière de vin sur le visage de ma fille? Est-elle folle? Hein? Et de qui est-ce que tu es en train de parler? J'espère que tu ne te réfères pas à Dan, à ta fille. Parce qu'il n'y a qu'une stupide mère qui peut élever une fille aussi insensée. Oluchi, maman, s'il te plaît, permets-moi de remonter les bretelles de cette femme. Tu crois que ma mère et moi allons laisser ces palais pour toi? Désolée, ça ne se passera jamais. Tu oses me chuter? N'essaie plus jamais. Dans ta misérable vie, lève ta sale main sur moi. La prochaine fois que tu oseras lever cette main sur moi, ton visage sera méconnaissable. On verra bien. C'est ce que j'attends. Idiote. Folle. Insensée. Jusqu'en ta mère. De la même manière que tu élèves tes stupides enfants. Oh, Luchi. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman, maman, pitié. Épargne-moi de ça. Je t'en prie.
Emenike? Emenike? Ouais, mon prince. Ouais, mon prince. Va voir le chief Kalou. Dis-lui que je veux le voir dans le palais. Ok, mon prince, est-ce que c'est maintenant ou bien après? Je veux dire, dois-je aller maintenant ou bien... Oui, maintenant. Maintenant. Vas-y. Ok, mon prince, s'il te plaît, ne te fâche pas. Dois-je aller à pied ou bien avec une des voitures? C'est-à-dire les pieds ou une voiture? Tourne bien ta langue. Cette fois, tu auras la réponse. Hi! Ça, c'est faire l'acrobatique. Hi! Ok, c'est bien. Dois-je lui dire de venir aujourd'hui ou bien demain? Parce que... Hey, tu... Si tu me poses encore une question stupide, je vais t'arracher ta tête avec ce truc. Es-tu fou? Dépêche-toi et va délivrer mon message. Oh, mon prince, tu n'étais pas spécifique. Tu m'as juste demandé d'aller lui dire de venir au palais. Alors je dois savoir si c'est aujourd'hui ou bien demain. Va-t'en d'ici. J'ai dit sors tout de suite. Je vais à pied. Alors il me faut un peu de cash, non? Un peu d'argent pour soutenir mes pieds. Tu as compris, non? C'est ça. Un peu. Tu as compris? Donne un peu d'argent, non? Avant d'aller, non? Hein? Tu me demandes seulement d'aller. Ça me donnait un peu d'argent. D'aller à pied. Mais je sais comment conduire. Regarde les voitures. J'ai un permis de conduire. Je sais comment conduire. Hein? Mon prince, est-ce que je suis ton client? Tu ne peux pas me donner une voiture à aller avec? Hey, je sais comment conduire, non? Hey. Oh, vraiment, moi, le chef de la garde de tout ce royaume. Ichie Osese, je vous ai invité au palais parce que je voulais avoir une discussion très confidentielle avec vous. Je sais que bientôt, le successeur du roi sera choisi. Et je veux être cette personne. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est possible? Mon prince, il y a déjà des dispositions à suivre et à respecter comme le veut la tradition. Et tu sais que tu n'as aucune chance. Je le sais. C'est vrai. Mon nom est Onuchi. Ce nom m'a été donné depuis ma naissance. Ma mère n'était pas stupide en me donnant ce nom. N'oubliez pas, vous avez beaucoup à bénéficier si je finis par devenir le Igwe. La position de Ono vous sera garantie si vous êtes avec moi. Choisissons enfin le successeur du roi et couronnons-le une fois pour toutes. Même un aveugle n'aura simplement qu'à toucher mon corps pour être d'accord que moi, Onuchi, suis le vrai roi de ce royaume. Pourquoi me regardes-tu? Je t'avais prévenu, mais tu avais refusé de m'écouter. Jusqu'à ce que tu aies trouvé ce que tu cherchais. Maman, qu'importe ce que j'ai trouvé, je vais m'occuper de ça. Si facile de le dire. Maman, pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je fais dans ces palais, c'est pour votre bien, toi et grand frère Okena. Si je m'étais et que je n'agis pas, un bon jour vous allez vous réveiller dans la cuisine en train de travailler comme des cuisiniers. C'est ce que tu veux, maman? Qu'importe la raison que tu avances, ma fille. Tu n'avais pas le droit d'agir ainsi. Elle est une mère. Et la reine mère de ces royaumes. Dans ce cas, elle aurait dû y penser avant de m'insulter. Elle aurait dû aussi se dire que j'occupe une place très importante dans ces palais. Celle d'Adeze, d'Alouenze. Elle aurait dû y penser, maman.
Salut, mon amour. À toi, Nesson et Minique, est-ce que je t'ai entendu dire, mon ouais, amour? C'est ça, nous aimons l'un l'autre. Ouais, hein? N'es-tu pas mon amour? Hein? Et Minique, c'est depuis quand que cette bêtise a commencé? Non, ça doit sûrement être une blague, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un non-sens. Ce n'est pas une blague. Ma princesse, ce sérieux a commencé depuis hier dans mon rêve. Aïe, je te dis. Aïe, on était vraiment amoureux. On s'embrassait l'un l'autre, ma princesse. Nous étions tellement amoureux l'un de l'autre, tellement que Mara et Clara étaient jalouses de nous. Je te dis, hey, nous étions sur le point de nous marier avant que cette méchante Lolo a envoyé ce soi-disant garde. Il était venu, machin comme ça, comme un imbécile, et nous en a empêché. Cet idiot-là. Je t'ai dit, l'amour était si fort. J'aimerais éclaircir un peu les choses. Tu as dit dans ton rêve. Dans mon rêve. Ma princesse dit la vérité, on est le diable. Tu vas prendre cette pauvreté que tu traînes partout et l'amener très loin d'ici, avant que je ne déverse ma colère sur toi. Je n'ai pas l'intention de répéter ce que je viens de dire. Dégage. Bien, je n'ai pas envie de me répéter. Je dis, sors d'ici. C'est bien, ma princesse, mais laisse-moi te dire que... Ah, ma princesse! Non, c'est pas vrai. Non. Non, ça doit sûrement être une blague. Père, tu as demandé à me voir. Oui, assieds-toi. Assieds-toi. J'ai appris que tu organises des réunions avec les membres de mon cabinet, demandant qu'ils te soutiennent pour que tu sois les choisis. De ce fait, laisse-moi te dire quelque chose de manière claire. Même si tu arrivais à convaincre les dieux, tu ne me succéderas jamais parce que tu n'as aucune qualité. C'est ce que j'allais te dire. Jamais. Père, pourquoi es-tu si méchant envers moi? Pourquoi? Des fois, tu me fais sentir comme... Tu me traites vraiment presque comme un criminel. Oh... Tu me fais même croire que tu n'es pas mon vrai père. Oh, c'est parce que je ne suis pas tellement sûr que tu es mon fils. Tu vois, tu n'as aucune qualité requise. Même pas une seule. Hein? Maman, mm-hmm. Je pense que j'ai un très bon plan. Comment est-ce que mon frère sera couronné prince et prochain roi de ce royaume? Hé hey! Tu l'es encore, Achanugo. Maman. Mais... Oui, maman. Alors, dis-moi ton plan. On doit kidnapper Oke Okena. Oui. Maman, t'inquiète. Bien sûr. Hein? Je ne m'attendais pas à avoir cette merveilleuse idée. C'est une idée géniale. Oui. Père, mon nom est Onuchi. Ce qui veut dire que depuis ma naissance, j'étais destiné à te succéder.
Je dois porter cette couronne. Un geste de plus qui montre l'ignorance de ta stupidité. Ne permets pas à la stupidité de ta mère d'envahir ton imagination. Qu'on ne te trompe pas. Ta mère t'a donné le nom de Onuchien sans mon accord. Je n'étais pas d'accord avec ça. Hein? Mais cela ne veut pas dire que tu vas me succéder. Qu'est-ce que c'est qu'un nom après tout? C'est juste un nom bon à tuer une poupette. Écoute, qu'elle t'ait appelé au nom de Onuchien ne te donne pas droit au trône. Mets ça dans ta tête. Maman, je voulais te poser une question. Vas-y. Si on couronnait le prince Okena comme grand prince, y a-t-il une possibilité qu'une autre personne puisse prendre la place de papa si jamais il mourait? Non, ma fille. Aussi longtemps que le grand prince sera en vie, lui seul deviendra le roi. Au moins qu'il meure. C'est à ce moment que le rituel sera fait pour choisir le prochain roi. Attends, qu'y a-t-il? Non, dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi tu ris comme une idiote? Hein? Comme si quelque chose te démangeait entre l'autre région. Je me dérange. Hein? Je me marre de ta stupidité, les grands malades. Oui, tu es un grand fou. N'as-tu pas un miroir dans ta chambre? Oh. Ben, mais je doute vraiment fort que tu t'es mûre. Parce que si tu avais l'habitude de le faire, tu allais voir comment tu as l'air misérable. Waouh, moi, regarde-moi cette fille. Qu'est-ce que tu connais du misérable? Tu es la définition exacte de la misère. Moi? Maintenant, je vois que la jalousie a enveloppé ton cerveau. Je te dis, regarde-toi. Ouais, si tu ne le sais pas, sache-le maintenant que les rêves sont une révélation qui décrit l'avenir. Idiote. Et toi et moi savons très bien que le rêve d'un fou n'en fait pas partie. Et tu es un fou. Attends, qui est un imbécile? Toi, bien sûr. Ah, regarde une imbécile, la plus grande imbécile. Je comprends que ce que je t'ai dit était vraiment insignifiant. La folie ne suffit pas pour toi. C'est quelque chose de plus grand que la folie. Quelque chose de très grand, parce que tu es plus que la folie. Un bouc insensé. Je te regarde seulement et tu vibres. Quelque chose de plus grand, animal. Cette folie va te tuer. Idiote. Non, je vois que c'est de la jalousie. Ça, c'est la jalousie qui te tuera. Ça va te tuer. Cette jalousie va te tuer. Laisse-moi te choquer davantage. Dans ce rêve, Ngonjo, tu étais notre servante. C'était toi qui nous as servi la nourriture. Ouais, tu as porté de la nourriture et nous mangions. Au fait, laisse-moi te choquer davantage. Tu nous serviras, tu seras notre servante dans cette vie. Idiote. Ouais, je peux le mettre ici afin que tu puisses rire fort. Je peux voir que tes insanités ont vraiment atteint un niveau supérieur. Idiot. Mais attends, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un fou? Va-t'en, tu perds quel temps? Va-t'en d'ici. Fais-moi passer. On parle, tu me touches parce que tu veux que je sente quelque chose. Jamais. Il n'y a rien que tu puisses faire pour me susciter. Jamais. Écoute, frérot, ne lève jamais la tête pour cette idiote. T'inquiète, c'est juste une question de temps. Tu le verras et le confirmeras. Idiote. T'inquiète.
t'inquiète, calme-toi, calme-toi seulement. Ne lève jamais la tête pour cette idiote. Non, animal, tu me poussais, me touchais afin que je te ressente. Jamais, idiote. Tu n'es pas pour cet imbécile, tu es pour... Mère, puisque je suis sur le point de devenir le roi de ce royaume, je suis maintenant prêt de me salir les mains en tuant mon propre frère. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Olochi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que c'est? Écoute-moi très bien. Les gens font beaucoup de sacrifices pour avoir le pouvoir. Ok? Le pouvoir, on l'arrache, on ne la donne pas. Onoche, écoute, ça c'est ta dernière opportunité. Tu peux l'avoir. Tu n'as même pas froid aux yeux quand tu le dis. Merci, mère. T'es une disgrâce. Tu es un homme et non une femme. Bien sûr. C'est quoi ça? Comment ta petite soeur peut être plus courageuse que toi? Elle montre de stratégie pour que tu réussisses ton avenir. Elle se démène ça et là pour que tu deviennes un homme. Si je savais, je t'aurais soldé à l'esclavage. J'aurais dit, mais tu es comparable à un bouc. T'es un bouc. À la place de saisir l'opportunité pour que nous avancions dans notre plan, pour savoir comment sera la suite, tu es en train de raconter des histoires, n'importe quoi. Je le savais. Lâche. Tu es incroyable. Mère, tu dois comprendre une chose. Dieu nous a créés différemment. Je remercie Dieu pour lui avoir donné la sagesse de tuer des gens pour mon propre bénéfice. Hein? Merci bien. Prenez soin de vous. Hein? Refrenouché! Reviens ici! J'ai donné naissance à un raté de fils. Notre dernière soirée est en péril. Maman, on n'a pas à s'inquiéter. Hein? Il va le faire. Comment je peux donner naissance à un peureux de fils? Mon Dieu, je suis finie. Oh. Maman, s'il te plaît, calme-toi. T'inquiète, hein? Il va le faire. Je prie que ça réussisse. Aïe! Je serai content. Aïe! Hey, viens. Hey, je vais danser. Je peux voir que tu es excité. Super excité. Écoute, je pense que les dieux ont décidé de bénir mon destin. Bénir ton destin, comment? Avec quoi? Avec la princesse. Chineke. Désolé, quelle princesse si je peux demander? Ah, combien de princesses avons-nous dans ce royaume? La princesse en Luchi. Que penses-tu que je vais faire avec cette idiote? Hein? Attends. Parmi toutes les princesses que nous avons, tu n'as pas trouvé mieux. Ouais? Qui est-ce qui t'ont fait ça? Pourquoi leur as-tu permis de te faire ça? Donc... Attends, non. Je n'ai pas compris. Fais-moi comprendre. Pourquoi? Qui ont permis quoi? Fais-moi comprendre. Chiro, viens. Pourquoi qui ont permis quoi? Je pensais que tu n'étais qu'un clown. Mais je confirme que tu es également un fou. Ah! Imbécile! Imbécile! Non. Es-tu malade? C'est quoi? C'est moi que tu fais quoi? À qui tu as fait ça? Es-tu malade? Comme j'allais te cogner, idiot. Non, c'est parce que j'étais appelé. Et au lieu d'être excité à cause du privilège que j'ai eu, et tu as commencé à m'insulter, tu es un clown, tu es un imbécile. Es-tu malade? Que je te le donne? Le veux-tu? Regarde cet idiot. C'est moi que tu fais ça? Hein? Es-tu malade? Non. As-tu oublié que je suis le chef de la garde du royaume d'Arumwezi? C'est parce que tu es le garde numéro 1 que tu m'as giflé. Et si tu le sais encore, je peux te donner des coups de poing. Et la tradition dit que je ne peux répliquer. Aucun problème.
le moment vient. Que l'avenir le dira. Non, 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 non. Reviens ici. Reviens, faisons-le. Non, reviens et on va le faire. Idiot. Regarde cet idiot. Oh, je parle. Et toi aussi. Et toi aussi, tu as l'audace de parler. Regardez cet idiot. Regardez. Un stupide. Un vaurien à la vie duquel je veux donner un sens. Je parle, tu vas. Mais tu vois, y a imbécile, idiot. Hein? Tu vois, au lieu de. Parce que je t'ai appelé. Je pensais que tu allais aussi jouir du privilège pour lequel je t'ai appelé. Tu as ouvert ta bouche pour me dire que tu es un cran, tu es un imbécile. Que l'imbécile te tue là-bas, idiot. Animal. Regardez-moi ce garçon. Sais-tu que ça demande d'être un chef de la garde? Oh, le sais-tu? Hein? Non, dis-moi, est-ce qu'un membre de ta famille a jamais occupé une position élevée dans ce royaume? Mais disons que l'avenir le dira. L'avenir te tue là-bas. Regardez-moi cet idiot. Je penserai qu'il jurait aussi du privilège pour lequel je l'ai appelé. Il a commencé par. Idiot, imbécile. Animal. Bien, Ikenna, je t'ai appelé à cette réunion afin de résoudre quelques problèmes. Tu vois, nous sommes humains. Nous sommes faits pour commettre des erreurs. Que je crois avoir commis vraiment beaucoup. Je t'ai offensé, toi, ta mère, salut, ainsi que ta soeur. Salut, mon prince. Bien, voilà. Tout ce que je te demande, c'est juste la paix et devenir une seule et grande famille. Je veux que la paix et l'harmonie puissent régner dans ce palais. Onochi, je n'ai rien contre toi. En fait, je suis très heureux que tu aies décidé d'embrasser la paix et me considérer comme une famille et non un ennemi. C'est bon. On a besoin d'une telle paix dans ce palais. Je t'assure que nous allons tous les deux jouer un meilleur rôle dans ce royaume. Exactement ce que je pensais. C'est pourquoi j'ai organisé cette réunion. C'est bon. Merci infiniment. Ça va. Merci. Je t'en prie. Ma reine, j'aimerais que tu te prépares très bien. Car quelque chose de remarquable va se passer demain. Mon roi, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Je ne veux pas mettre la charrue avant le bœuf. Il serait mieux que tu le vois au lieu qu'on t'en parle. Au fait, où est ton fils? Il est quelque part dans la parcelle avec le prince Anoji. Faisons quoi? D'accord, voilà. Nous sommes maintenant une seule grande famille. C'est ça. Merci beaucoup. Et ça demande une célébration. Waouh. D'accord. Tu sais que je suis ton petit frère. Laisse-moi. C'est notre tradition. Je suis prêt. Allons-y. Allons-y. Voilà. Rien ne vaut mieux que la paix. Rien ne vaut mieux que la paix. Nous sommes une grande famille. Heureux ensemble. Mm-hmm. Hey. Ouais, c'est ça. Oh. Toi d'abord. Ok. Aha. Au nom de la paix. Oui, la paix. La plus paix. Vie. Plus d'amour. Ok, non. Seigneur, aide-moi. Ah ben non, qu'est-ce que c'est? Non, maman. Mais comment? Au moment où il voulait le faire, Onuji était venu et l'avait stoppé. Ah. Quoi? Ah. Mais comment c'est sorti? Continuez de stresser ma vie. Continuez de me tenir au cou. Ah. Donc, si je ne t'avais pas appris, tu allais voir mon sévère. Tu es mon grand frère, je ne pense que manquer de respect. Mais pourquoi es-tu si aveugle? C'est quoi ton problème? Je ne comprends pas. Je veux dire, il demande la paix. Je dois faire la paix.
nous prenions un verre sous forme de célébration, quelque chose du genre. Par ailleurs, nous buvions de la même bouteille, alors quel est le problème? Ok, là, je t'en prie. Ne sois pas stupide. De quel fait parles-tu? Pourquoi t'as le seul? Pourquoi n'as pas invité toute ta famille? Es-tu la seule personne qui l'a fait? Ou soit ton sixième sens est capable qui pourrait peut-être mettre du poison dedans, ou soit mettre du poison unique pas dans ton verre. Tu es brûlé. C'est comme je l'avais dit tantôt. Tu dois être très prudent. Mais si tu choisis d'être naïf, c'est ton problème, pas le mien. Excuse-moi. Votre Majesté, avec ce dont nous avons discuté jusqu'ici, il est clair que la réunion d'aujourd'hui tient à sa fin. Honorou, Votre Majesté, quelque chose reste. J'ai une surprise pour vous. Mon fils. Maman. Ce qu'a dit ta sœur est vrai. Maman, je ne comprends pas pourquoi cela est un problème. Nous buvions de la même bouteille. Alors, comment est-il possible qu'il va m'empoisonner ou qu'il va essayer de m'empoisonner? Nous buvions de la même bouteille. Qui avait servi le vin? Depuis quand que tu es au Nigeria? Oh, pas longtemps, je pourrais dire il y a cela 2 semaines. Vraiment? Uh-huh. Mais comment tu m'as pas mis au parfum? Allez, je suis désolée. Tu sais, j'étais à Lagos. J'étais allée à Lagos pour rencontrer mes clients. Mm-hmm. Mais je visite le village dès que j'ai le temps. Tu sais que c'est pratiquement impossible pour moi d'arriver au Nigeria sans pour autant venir te rendre visite. Je sais. Et surtout pas après avoir appris cette transformation dans ta vie. Hein? Tu parles de choses qui sont passées il y a 20 ans. Hein? Tu parles de 20 années? Ça fait déjà 30 ans. C'est là que j'avais la nouvelle de ton couronnement. Ok. Et que tu allais devenir Lolo. Ça fait déjà 30 ans. Et cela s'est passé quand j'étais revenue pour la première fois voir mon premier enfant. Il y a déjà 30 ans. Ça fait très longtemps. Très longtemps. Je me souviens pendant que nous parlons. Oh, merci beaucoup. Honorou, Votre Majesté, je vous présente mon fils, Okena, l'héritier apparent du trône de ce royaume. J'aimerais que vous le confirmiez comme prince couronné de ce royaume, maintenant et tout de suite. Mais Igwe, on n'a pas discuté à ce sujet. Pourquoi ce changement soudain? C'est pour la sécurité que j'ai pris cette initiative. Je suis au courant que mon fils, Onoche, vous a rendu visite, essayant de vous convaincre pour que vous le nommiez prince couronné du royaume d'Arumuzi. C'est ainsi que j'ai décidé de vous prendre par surprise. Parce que si je continue de perdre du temps, il y aura beaucoup de combats au palais, alors c'est ce que je veux éviter. C'est pourquoi je vous ai pris par surprise. Sachant que tout ce que nous ferons aujourd'hui sera irréversible. Votre Majesté, mais Ezimou avait dit 14 jours. Et nous n'en sommes qu'au troisième. Et nous sommes exactement dans le temps. Comme tu l'as dit, nous sommes le troisième jour. On peut toujours le couronner aujourd'hui. Et à présent, je ne voudrais plus aucune question venant de vous. Honorou, tel que je l'ai dit. Vas-y, exécute mon instruction. Et comment va ta fille dont tu m'as parlé l'autre fois? Adézé, c'est ça? Oui. Tu m'as dit que tu l'as rejoint à Londres. Bien sûr. Comment elle va? Elle est bien, elle est jolie. Bien. Elle est ici avec moi. On était venus ensemble. Oh. Oui. Ah, c'est bien. Oui. Elle a quel âge maintenant? Ada a 20 ans maintenant. Oui. Waouh, ça veut dire qu'elle a grandi. Oui. Elle est devenue une femme complète. Waouh, si tu l'as dit, oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me l'amènes ici au palais? Je vais passer un peu de temps avec. Je veux qu'elle me tienne compagnie. Non. Mais arrête.
Je te connais bien. À propos, pourquoi veux-tu qu'elle vienne vivre ici au palais avec toi? Ce n'est pas pour un mauvais motif. Je veux juste être avec elle. Je sais. T'inquiète, ma Je te connais très bien. Tu ne changeras jamais. Je veux juste qu'elle soit à côté de moi. Elle sera en train de combler le vide que tu as créé, mon ami. Qu'elle m'entoure de chaleur que j'ai manqué depuis. Pas de problème. Je vais la faire venir au palais. Merci. Par le pouvoir qui m'a été conféré comme au nom de ce royaume, je vais te couronner. Peut-être que cela s'est déjà produit. Quoi? Il n'est pas digne d'être couronné comme le prince légitime de ce royaume. Mais pourquoi ça? C'est mon fils légitime. Et le véritable héritier du trône du royaume d'Arumwese. Une grosse erreur a été commise dans le passé et doit être corrigée maintenant. Sinon, une grande calamité. De quoi parles-tu? Sa mère vient d'une lignée d'Osu. Un paria ne peut pas diriger des hommes normaux. Un autre successeur du trône des Arumwese doit être choisi. Nous avons encore 12 jours à partir d'aujourd'hui pour l'accomplir. Igwe. Je pense qu'on devrait inviter Onoche. Ces garçons mal éduqués là. Maman. Que signifie être un osseau? Ils ne sont autorisés qu'à vivre près des sanctuaires ou à côté de marchés, car ils ne peuvent pas interagir avec les hommes libres. Ils ne peuvent pas donc exercer des fonctions traditionnelles. Un osseau ne peut jamais épouser une femme libre. Ils ne peuvent pas adresser leur prière aux dieux. Ce sont des esclaves. Donc cela veut dire... ma mère, ma sœur et moi-même. Nous allons quitter. Parce que nous sommes des Osu. Les Osu sont les sujets de Dieu. Ils ne sont pas qualifiés de vivre ou d'avoir la même part d'héritage
avec ceux qui sont nés libres. Je vois. Ils ont été sacrifiés à la divinité pour apaiser les esprits. Et ils sont considérés comme des esclaves. Oh mon Dieu! C'est ça, ma fille. C'est pourquoi ils ne sont pas permises de s'associer ou de vivre avec ceux qui sont libres pour ne parler même pas de le diriger. Oui. C'est comme pour dire qu'un osso n'est pas qualifié en aucun cas être roi. Mm-hmm. C'est ça la tradition. Même le roi ne peut pas s'opposer à cette tradition puisqu'il est lui-même le premier conservateur de cette tradition. Je vois. Alors, maman, quel sera donc leur sort maintenant? Bien sûr qu'ils doivent quitter le palais. D'un moment à l'autre, ce n'est pas de notre faute. Pas du tout. Oh mon Dieu. Alors, Onoche sera le grand prince de ce royaume? Bien sûr. Il n'y aura plus aucune opposition, puisque la tradition est très claire. Bien sûr, maman. Tout est clair. Il transmet sud comme de l'eau. Oh maman, tu sais quoi? Mm-hmm. Les dieux ont finalement répondu à mon prière. Je peux le dire encore. Maman, ça mérite une célébration. Alors attends-moi ici, je vais prendre le vin et le verre pour que nous puissions célébrer. Calme-toi, ah, ma chérie, sois pas pressée. On attend ton frère, il doit faire partir de cette célébration. Ah oui, mm-hmm. Je suis impatiente. Nous avons vaincu. Ah, oh non, tu vois-tu, viens vite. Voyons voir qui nous a encore aussi la voix. Allez, c'est bon, ma fille. Ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons encore nous relever. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Nous sommes sur le point de se faire expulser de ce palais et tu es en train de parler et se relever. Ces gens vont se moquer de nous. Ils vont vraiment se moquer de nous. Je vais parler au roi. Il nous aime. Il nous permettra de rester. Mais maman, cela n'est pas une bonne option. Ces gens, ils vont nous rendre la vie misérable. Maman, nous sommes des esclaves. Allez, c'est bon, princesse. Ne t'inquiète pas à propos d'eux. Ils peuvent se moquer de nous, mais ils ne pourront pas changer les choses. Nous pouvons être d'une classe inférieure, mais nous sommes toujours des humains. Tout simplement parce que nous avons la chair et le sang qui coulent dans nos veines. Maman, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien, ça. C'est pas juste. Tu calmes, ma fille, tu calmes. C'était juste, maman. Ils ne sont autorisés qu'à vivre près des sanctuaires ou à côté de marchés, car ils ne peuvent pas interagir avec les hommes libres. Ils ne peuvent pas donc exercer des fonctions traditionnelles. Un osso ne peut jamais épouser une femme libre. Ils ne peuvent pas adresser leur prière au Dieu pour l'intérêt de la communauté. Ce sont des esclaves. Les osseaux sont les sujets de Dieu. Ils ne sont pas qualifiés de vivre ou d'avoir la même part d'héritage avec ceux qui sont nés libres. Ils ont été sacrifiés à la divinité pour apaiser les esprits. Ils sont considérés comme des esclaves. Oh mon Dieu! C'est ça, ma fille. C'est pourquoi ils ne sont pas permises de s'associer ou de vivre avec ceux qui sont nés libres pour ne parler même pas de les diriger. Ça veut dire qu'un osso n'est qualifié en aucun cas pour être un roi. Mm-hmm. C'est ça la tradition. Même le roi ne peut pas s'opposer à cette tradition puisqu'il en est le premier conservateur. Everything has been settled. But change
Ifadigama, when I thought I'm to enjoy this throne, Bafuka Wajibido, when I thought I'm to enjoy this throne, Bafuka Wajibido, Chimo, okay, me funerim, Chimo, our tradition. A mirror me fair, our tradition. The more our tradition. Oh, 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 oh. J'ai très mal dans mon cœur. La reine est une très bonne personne. Elle ne mérite pas cette humiliation, pas du tout. C'est ce que je disais. Il serait mieux que l'on puisse vivre des choses. Au lieu que la reine puisse de vivre, hein? Même le roi s'oppose à la tradition pour leur permettre de rester au palais. La deuxième de l'eau et ses enfants sont tellement insupportables. C'est ça mon problème. Mais attends, alors pourquoi est-ce que la reine avait épousé cette femme de cette façon? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Je suis confuse. Je ne l'aime même pas. Notre reine mère mérite le mieux. Tout ça c'est à cause du roi. Il devait faire attention avec qui il voulait se marier. Votre Majesté, le garde a dit que l'objectif de cette réunion était très important. Voilà pourquoi nous l'avons suivi immédiatement. Exactement. Je suis un homme au milieu de deux mondes. La flamme du feu qui attend à se transformer en une explosion le plus tôt possible. Et un océan profond dans lequel le requin et crocodile ne font que attendre que j'y plonge pour qu'il me dévore. Je suis dans un dilemme. Votre Majesté, nous ne pouvons dire que nous ne savons ce que vous ressentez. Mener une enquête est une solution pour le tabou qui vient d'être commis. Très bien alors. Je donne à vous deux la mission d'aller au royaume d'Akolo. Allez-y et posez des questions. Cherchez l'homme le plus vieux de cette terre et découvrez de sa bouche la vraie origine de la famille de ma première femme. Et ça, c'est le premier pas. Votre Majesté, vos souhaits sont des ordres. Nous ferons exactement comme vous l'avez instruit. Alors, dépêchez-vous. Hé, hey, toi, arrête là-bas. Okena, pourquoi portes-tu encore des vêtements royaux? Ta mère ne t'a pas fait comprendre que tu devrais être dans la brousse vivant avec des animaux au lieu d'être dans le palais? Onochi, pourquoi ne me laisses-tu pas avoir la paix? Parce qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Alors que ta mère savait que tu es un Osu, vous vous êtes quand même entêté pour diriger ce royaume. Alors que nous avons un homme libre, un vrai natif de ce royaume, alors il n'y a aucune paix. Je ne les savais pas, je ne les savais pas. Oh, ferme ta bouche avant que je la ferme pour toi, rusée de femme. Envoyée du diable. Tu veux infliger la calamité dans notre royaume? Pourquoi vous continuez à rester dans le palais? Hein? N'est-ce pas que vous n'avez plus de place ici? Que fais-tu ici? Mon mari, le roi, ne m'a rien dit à propos. Ferme ta bouche! Tu attends qu'on te dise tout, tu ne sais pas tourner ton cerveau. Tu es une femme Igbo et tu ne connais bien la tradition Igbo. Tu es une Osu, tu es bien une paria. Tu dois le mettre dans ta tête et tu n'es pas permis de t'associer au nez libre comme nous. Hein? Tout le temps que tu as passé dans ce palais est un tabou. Nous sommes tous obligés de passer à une purification. Nous devons passer un à un la purification pour nous sanctifier de tes impuretés.
J'étais dans cette soirée pour partir de ces palais. Sinon, je vais te jeter à la rue, toi et tous tes enfants idiotes. Osso, Osso, une paria, c'est ce que tu es. Rentre d'où tu appartiens. Ton domicile est au sanctuaire, stupide. Possédant toutes les qualités et confirmé comme digne pour la position du prince légitime de ce grand royaume, je suis là devant le trône de faire mon devoir comme étant au nom de ce royaume. Par les pouvoirs qui m'a été conféré comme au nom de ce royaume, je suis là pour te couronner aujourd'hui comme le... Emenike. Sorcellerie. Quel est le problème? Je ne sais pas de quoi tu parles maintenant. Mais le roi veut te voir maintenant. Sois idiot, que le tonnerre te foudroie. Que je te punis là. Où est-ce que tu vas? Hey, reviens, hey, reviens ici. Si tu t'en vas, tu es déjà mort. Hey, non, non, toi, dis-moi qui es-tu. Hey, qui es-tu? Parle-moi, non. Hey. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? La dernière fois, je dormais là-bas. Tu ne sais pas ce que je vivais dans l'autre monde. Le démon t'avait appelé. Tu as répondu. Et tu étais venu me réveiller. Et je me suis dit non. Je dois aller quelque part pour me cacher. Parce que je sais que j'aurai certainement des rêves. Hein? Et j'ai décidé de me coucher doucement ici. Et le rêve était venu. Et le démon t'a encore appelé. Et tu t'es mis à sa disposition. Es-tu un démon ou quoi? Qui es-tu? Hein? Tu es venu pour me réveiller? Si tu ne quittes pas ici maintenant, tu es imbécile. Aïe, Dieu. C'est quoi ceci? Pourquoi ne me laisserait-il pas jouir des choses, des bonnes choses qui m'arrivent? Hein? Du moins, il devrait attendre jusqu'à ce qu'Onohu me couronne avant d'envoyer ce démon de venir me réveiller. Hein? C'est vrai, ouais, je sais que c'est un rêve, mais le rêve décrit l'avenir. Hein? J'étais sur le point de l'apporter. L'autre fois, j'étais sur le point de recevoir le baiser et ce démon était venu me réveiller. Au point d'être couronné, il est encore venu, je le tuerai. Votre Majesté. Mazikano, depuis que vous êtes rentré du royaume d'Akolo, vous n'avez dit rien du tout et vous n'avez rien fait du tout. Et tout ce que vous avez fait, c'est vous tenir les mains. Est-ce que vous n'avez pas trouvé quelqu'un à qui poser de questions? Votre Majesté, nous avons vu des gens et nous leur avons demandé. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Votre Majesté.
C'était un grand choc lorsque nous avions rencontré l'homme le plus âgé du village d'Akolo. Et il l'a confirmé. D'ailleurs, eux tous l'ont confirmé. Ils ont dit qu'ils attendaient que ce jour arrive. Le vieillard avait dit qu'il aurait remis en cause le pouvoir de nos dieux si nous n'étions pas venus. On doit se rappeler d'un homme pour quelque chose. Que les gens se rappellent de moi pour m'être battu contre cette vilaine tradition. Puisque tel est le cas, que la punition se suive. Sa Majesté, tu es toujours là? Qu'est-ce qui te trouble encore? Oh, c'est parce que la reine, ta deuxième femme, est Inosu? Et que son fils ne sera pas assiégé sur ton trône lorsque tu ne seras plus. Ça ne devait pas te déranger. Moi, ta première femme, je suis là. Je t'ai donné 3 enfants libres. Et j'ai un fils qui peut te remplacer valablement au trône quand tu vas t'endormir avec ton père. Cette histoire d'Osu ne peut pas te déranger, Osu reste un Osu. Rien ne peut le changer, hein? Soit au sanctuaire, c'est nous penser quelque chose. J'essaie de te faire comprendre pour que tu arrêtes de te déranger. Tu n'as pas à t'en faire, sérieusement. C'est ça la tradition, mon fils. Et je vais me battre contre elle, même si j'en suis le garant. Ah, père, tu ne vois pas que cela va attirer des critiques de la part des gens? Les critiques ne datent pas de nos jours. Tout ce que je sais est que je m'en fous de ce que les gens disent. Toi, ta mère et ta sœur n'allez pas quitter ce palais. Et pour ton information, tu me succéderas au trône d'Arumwese. Et ça, c'est une promesse que j'ai l'intention de garder. Je me détends moi-même dans la maison de mon père. Ada Eze du royaume Taro Umweze. Qu'est-ce que tu veux, Adana? Tu es stupide. Comment oses-tu parler à Léandre de la sorte? Je veux que tu puisses t'excuser maintenant. Laisse-moi être honnête avec toi. Si tu as besoin des excuses, il faudra attendre toute une éternité parce que je ne suis pas prête de le faire. Oh, regarde-toi, une esclave royale. Parlons avec tout le courage. Peu importe, je sais déjà d'où tu proviens. Bien sûr que toi et ta famille devez quitter ce palais après 6 heures du temps. Ou vous allez vous battre avec moi. Quoi? La société peut faire de moi une personne de classe inférieure, mais je tiens vraiment à te dire ceci. Ma belle, figure-toi que je suis 5 fois meilleure que la femme que tu crois être. Tu ne peux pas fermer cette statue, ce que tu appelles mouche. Je dirai toujours ce que je veux, quand je le veux et où je le veux. Oh, vous devez juste prendre vos affaires et sortir. Oh, n'importe quoi.
suis désolée de vous avoir créé beaucoup de problèmes. Je tenais à vous présenter mes sincères excuses. J'aurais dû vérifier mes vraies origines avant d'accepter de me marier au roi. Pardonnez-moi, votre majesté, je vous en prie. Arrête de te blâmer pour quelque chose que tu ignorais. Tu ne savais pas. De ce fait, tu ne peux pas être blâmé pour ça. Tu y es pardonné. Merci, votre majesté. Mes enfants et moi allons quitter le palais cet après-midi. Vous n'irez nulle part. Vous allez vivre dans ce palais pour toujours. Et ton fils va me succéder comme le prochain roi du royaume d'Arumwese. Que la tradition le veille ou non. J'espère que le roi ne va pas le chasser de ses palais. Ils vont me manquer. Ils sont très gentils. Je ressens la même chose. Je ne veux pas seulement que mon frère devienne le futur roi de ces royaumes. Pourquoi? Je veux dire, tout le monde serait ravi de voir son grand frère devenir le roi. Alors, pourquoi c'est pas le cas pour toi? Prince Oken est également mon frère. Le fait que nous sommes venus d'un seul homme fait de nous un. Prince Anoche est tellement violent. Il ne peut pas devenir roi. Prince Okena a beaucoup de qualités d'un leader. Tu as raison. Non, votre majesté. Vous êtes le roi. Le protecteur et le gardien de la culture et des traditions d'Arumwese. Même si tout le monde ne respecte pas la tradition, vous devez être une exception. Je garde toujours ma position. Vous n'irez nulle part. Sache que c'est toi qui m'as donné le premier fils. Et il va me succéder comme prochain roi du royaume d'Arumwese. Que la tradition le soutienne ou pas, et même si les dieux sont contre cela, cela sera ainsi. Votre majesté... Assez! Va faire autre chose, je veux rester seul. Merci, votre majesté. Donc, après tous mes avertissements, tu continues toujours de l'approcher, toi, vicieuse de fille. Hein? Tu te fous de moi? Pas de problème. Je ne veux pas te tuer. Puisque tu n'es rien, ta vie n'a rien de bon, tu es une misérable. Si dans les 10 minutes qui suivent, je te vois encore autour de ces palais, tu vas regretter pour avoir mis tes deux sales pieds dans cet endroit. Je vous en prie, Lolo, pitié. Écoute... Non, maman. Tu ne peux pas la virer. Elle n'a rien fait de mal pour mériter une telle méchanceté venant de toi. Et qui es-tu pour questionner mes ordres? Hein, toi, petite souris? Père, j'ai appris ce qui s'est passé hier. Que tu as dit aux anciens de ne pas m'inviter pour devenir ton successeur. Parce que c'est moi le roi. Et quoi que je dise, s'exécute. Père, pourquoi es-tu si méchant envers ma mère et moi? Qu'avons-nous fait que tu ne peux oublier et pardonner?
Comment est-ce qu'un père peut haïr son fils jusqu'à ce point? C'est de la méchanceté. Petite rectification, mon fils. Je ne hais personne. Je ne veux que le bonheur du royaume. Et la fin de tout ça sera bénéfique pour toi aussi. Père, je veux en finir avec tout ça. En finir une fois pour toutes. Quand est-ce que tu vas m'annoncer comme ton successeur? Mère, je peux voir que mon bonheur ne t'intéresse pas. Tu détestes les gens qui appartiennent à la classe qui était la tienne l'autre fois. Si quelqu'un aurait interdit papa à t'épouser, comment te serais-tu senti? Cette bouteille contient un poison très dangereux qui peut tuer dans une seconde. Si tu ne revois pas ta décision, je vais les boire. C'est quoi ça? N'ose même pas venir près de moi. Mon prince. N'ose pas. Je vous en prie. Non, Ogoma. Reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Ok, c'est bon. Je les révoque. Puisque père, tu avais été capable de décider qu'un paria puisse diriger ce royaume, alors qu'il y avait un homme libre, comme moi, bien sûr. Et qui t'a dit que tu es un homme libre? L'histoire. L'histoire, père. La lignée de ma mère est sans tache et tu le sais très bien. Vraiment? Mais du moins, elle m'a déçu en donnant naissance à un voyou comme toi. Je ferais mieux de donner la couronne à un osu qui est responsable que de permettre au royaume d'Arumwese de souffrir entre les mains d'un vaurien comme toi. Non, tu as décidé de ne pas écouter les dieux. Tout ça pour favoriser ton favori. Père, je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis le choisi. Cet homme libre, celui que les dieux ont choisi, pour conduire cette terre vers la terre promise. Un autre raisonnement irréfléchi, mon fils. Tu es le pire de tous mes fils. Tu es incompétent. Il n'y a rien en toi qui montre que tu as la qualité de diriger ce royaume. C'est parfait, oui. Tu n'es pas en position de décider. Ce sont les dieux. Je vais assurer ta sécurité. Tu m'as fait peur, mon prince. Oui. Mon amour, tu n'as pas à avoir peur. Ce n'est pas possible que je prenne ces poisons. C'était juste pour faire peur à ma mère. Je savais qu'elle n'allait pas prendre le risque de me perdre. D'ailleurs, il n'y avait pas de poison à l'intérieur. Merci beaucoup, mon prince. Merci pour avoir sauvé mon travail. Mon amour, je t'ai fait impliquer dans ça. Donc c'est à moi d'assurer ta protection. Tu es en sécurité. Maintenant je crois en ce que ma mère n'a pas cessé de dire. Et en quoi cela me concerne-t-il? Tu peux toujours croire ce qu'elle te dit. Les oiseaux des mêmes plumages volent ensemble. Je suis le roi. Ce que je dis ne change pas. Ma parole fait office de loi. Non. Puisque tu as décidé de ne pas entendre ce que disent les dieux, juste parce que tu veux favoriser ton favori. Ma mère, pour sauver le futur, a eu l'idée de me nommer Onuchi depuis ma naissance, afin que personne ne soit capable de me ôter ma destinée, même pas toi, le roi. Si tu oses me quitter, deux choses vont t'arriver. Un, je vais te déshonorer. Et deux, tu vas marcher dans la rue comme un vaurien. Et le niveau supérieur que tu pourrais atteindre, c'est d'être roi de la rue ou du ghetto. Tu vois le trône de Arumwese. Tu ne pourras jamais t'y asseoir. Ne pense tout de même pas que le rêve que ta mère avait fait
pour t'avoir nommé Onuche. Un fils stupide nommé Onuche par sa faute de mère. Ça ne s'accomplira jamais. Je dis, rien ne pourra changer cela. Garde-le dans ta stupide cervelle et sors de ma vue. Sors d'ici! When I thought I'm to enjoy this throne, but forgot what it be done. When I thought I'm to enjoy this throne, but forgot what it be done. Chimo, okay, me funari. Pourquoi je me dérange même à causer avec toi? Tu veux dire que c'est papa qui a dit ça? Exact. Il me l'a dit en pleine face. Mais j'aimerais bien voir comment un paria pourra le succéder. Plutôt que moi en train de diriger ce royaume. Ah, c'est vraiment sérieux. Bien sûr que c'est une abomination. Onoche, tu dois le dire à Ezemon et aux anciens de lui parler. Il a perdu sa tête. Comment est-ce qu'il peut le dire? Il m'a dit la même chose. Tout ce qu'il vient de lui dire, il me l'a dit aussi. Il m'a regardé au visage et me l'a dit. Maman, ça c'est sérieux. Très sérieux. Il m'a dit qu'il veut quand même que ce paria soit son successeur. Ça veut dire quoi ça? Pas jusque-là, non. Hey, Onoche, tu ne peux pas rester silencieux. Tu dois vite faire quelque chose. Oui, Eminike, qu'est-ce que tu voulais discuter avec moi? Ouais, votre majesté. Assis-toi, Eminike. Merci. Ah, votre majesté. Aïe, merci. Chineke, chef de la garde qu'est-ce de la communauté. Aïe, merci, votre majesté. Ne sois pas énervé. Et ne sois pas fâché contre moi à cause de ce que je veux dire. Eménike, parle. Ok. Votre majesté, étant donné que les deux coupes que vous avez ne sont pas bons, je veux dire, celui qui a de la tête n'est pas aiguisé. Et celui qui est aiguisé n'a pas la tête. Et me considérant moi, votre majesté, ce n'est pas une mauvaise idée, si vous, vous savez. Eménike, en tout cas, je ne comprends rien du tout. Va tout droit au but, ok? Dis-moi ce que tu veux. Je sais ce que je veux dire, que ça a été révélé dans mon rêve que je suis le vrai candidat au poste du prince héritier de ce royaume. Vous avez compris? Ouais. Le prince Onuchi n'a aucune qualité d'être roi, pas du tout. C'est comme il n'a pas la tête. Ah non, hey. Le supposé prince héritier, Okena, est un rejeté. Rejeté. Donc, votre majesté, pourquoi ne pas convaincre les anciens pour me choisir? Moi qui n'ai aucun trait de haussou, aucun trait de rejeté, je suis né libre. Eminike, votre majesté, lève-toi. Ok, votre majesté. Tu es un fou. Tu ferais mieux de retourner dans ton rêve et continuer à partir de là. Sinon, je ne vais pas seulement te virer de ton poste au palais. Mais je vais t'enfermer pendant 41 jours. Sors d'ici! Je suis désolé, votre majesté. Désolé, votre majesté. Désolé, votre majesté. J'ai lui-même dit de s'asseoir. Va voir pour la feuille.
magique. We need to be careful. Makiki jimayala mnade begi. Kage jikwa mwere maya kwa logi. Onye na tumadu wa fumpula kanazo. Ne kwa nitoni mefana na tulio. Anwero kwa onye juwe mono. Ejikwa no wa ulule mono. Maki maka imankaza. Ife dinu wa noririna. Uwebuka. Mon ami, oh, je suis surprise de te voir. Je ne m'y attendais pas. Oui, c'est bien moi. Allez, ma fille est là. Oh, c'est vrai. Allez, viens, ma chérie. Je suis très contente de te voir. Comment tu vas? Ça va. Le garde récupère sa valise dans la voiture. Tu vois comment elle a grandi. Tu as tellement pris du temps que je n'espérais plus vous voir, tu sais. Oh, merci. Bienvenue, ma chérie. Bébé. Ouais, chérie, quoi de neuf? J'aimerais discuter avec toi sur un sujet. Et je n'aimerais pas que tu puisses t'énerver contre moi. Je ne veux pas me mettre en colère. Qu'est-ce que ça peut être? C'est ma mère. Ma mère est une caste inférieure. Bébé, j'ai déjà entendu parler de ça. Comment est-ce que tu l'as appris? Chérie, votre père est l'un des plus puissants rois de la terre Igbo. Tu sais, la nouvelle selon laquelle il voulait introniser son successeur, que les dieux ont révélé avoir une trace de Osu du côté de sa mère, et partout. Mais ça y est, même dans la presse écrite, dans les journaux télévisés, sur le net. Mais laisse-moi te dire quelque chose, chérie. Personne n'est pas rien. Tu es une éduquée. Donc, je ne crois pas à cette stupide et méchante tradition. Je t'aime, pour de vrai, sincèrement, de mon cœur. Je t'aime. Merci beaucoup, bébé. Je veux dire, ils m'ont déchargé de ces fardeaux que je portais sur mes épaules. Je ne savais vraiment pas comment te les dire. Et j'apprécie beaucoup ta compréhension. Je t'aime aussi, et tu le sais. Bien sûr, je sais ça. Tu es la meilleure. Je le sais. Merci. Je t'en prie. Mazé Ozizie, qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, quand je suis arrivé dans la cour du palais aujourd'hui, j'ai été choqué de ce que j'ai vu. Mais pourquoi es-tu soudainement venu au palais? Je ne me rappelle pas t'avoir invité ici ou qui que ce soit. Ton fils Onoche est venu chez moi avec des plaintes. Je pensais que c'est du mensonge, mais d'après ce que j'ai vu dans la cour du palais aujourd'hui, je suis étonné de croire que tout ce qu'il a dit est vrai. Votre Majesté, si je peux vous demander, qu'est-ce qu'ils font toujours dans le palais? C'est ça, c'est parce que tu le fais souvent. Ouais, c'est vrai, ou bien c'est pas ça? Vraiment. Et tu sais, je n'ai vraiment pas envie de sortir souvent. Qu'est-ce que c'est? J'espère que je ne devrais pas attendre longtemps avant de te voir. Bien sûr que non.
Je vais te rendre visite fréquemment. Allez, bébé. Tu as besoin de moi en ce moment, d'accord? Es-tu sûr? Très sûr. Alors? Bébé, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est mon frère. Est-ce que tu le connais? Nous sommes diplômés de la même université. Il était un membre, le leader d'une secte secrète appelée la confrérie Black Ass. Quoi? Tu veux dire qu'il est ton frère? Attends un instant. Est-ce que je t'ai entendu dire? Tu as dit quoi? Le leader d'une secte secrète. Oh! Je ne me souviens pas toi vivre dans ce palais. Je veux dire, c'est moi le roi. Et ma décision est finale. Je suis le dieu que Arumwese voit. Les gens dont on parle sont ma femme et mes enfants. Et mon fils est l'héritier apparent du trône. Alors en quoi cela te concerne-t-il? Votre Majesté, vous pensez toujours Fedokeyo, votre successeur? Mazie Ozize, je ne crois pas que j'ai de l'eau dans ma bouche quand je te parle. Il est en effet mon successeur et l'héritier du trône. Et rien ne pourra le changer. Quand tu quittes ici, au cas où tu vas voir Onohou, dis-lui que j'ai besoin de lui. D'accord, votre majesté. Oui. Merci. Oui. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie, ma chérie. Tu as bien fait. Oui. Tu vois pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Oh. Je vais prendre soin d'elle plus que tu ne le fais. Elle est entre les bonnes mains, crois-moi. Bien sûr, je sais que tu le feras pour moi. Mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Es-tu sûre que ce que nous faisons est bien? Bien sûr que oui, ma chérie. Je veux dire, ton garçon est très beau. Alors, comment es-tu sûre qu'il va tomber amoureuse de ma fille, hein? Stéphanie. Oui? La générosité va de pair avec la beauté. Elles font la marche ensemble. D'accord? Je sais que mon fils est beau, mais ils feront une compatibilité parfaite. D'ailleurs, si tu l'as dit, il est mon fils. Je sais comment influencer sa vie ainsi que ses décisions. Si tu l'as dit, ma chérie. Alors, dans ce cas, je dois partir. Je viendrai de temps à autre vous rendre visite. Très bien, merci. Porte-toi bien, ok? Ok. Je t'aime bien, d'accord, mon ami. Je t'aime aussi, bébé. Merci, à femme. Votre Majesté. Bien, Majesté. Bye. Merci. Bonne route. D'accord, merci, t'inquiète. Merci. À partir de maintenant, nous devons être très prudents. Prudents, mais quel sujet? Figure-toi que j'ai toujours su qu'ils étaient méchants. Mais je ne m'étais jamais fait l'idée qu'ils étaient des sociopathes. Les gens qui tuent par plaisir, je veux dire, ils sont ravis d'ôter la vie des gens. À qui est-ce que tu fais allusion? Je parle d'Onoche. Mon fiancé Chokwe l'a vu aujourd'hui. Et dès qu'il l'a vu, il m'a dit directement que Onoche était son ancien collègue de classe. Et il était membre d'un groupe très réputé. La confrérie de Black Ass. D'ailleurs, c'était lui le leader de ce groupe. Peux-tu imaginer cela? Quoi? Nous devons être prudents, maman. Très, très prudents. Vous acceptiez que cela se passe ainsi?
Je veux dire, les dieux l'ont montré clairement que c'est ton frère qui doit succéder au trône. Croiserez-vous les bras et voir comment votre père est en train de faire passer cette opportunité de lui? C'est à toi que je m'adresse, princesse. Amaraki, nous sommes confus. Même les anciens. Je veux dire, il a dit qu'il n'acceptera pas de voir Onoji réussir. Vous ne pouvez pas le tuer. Amaraki. Mère, tu es venue dans ma chambre sans pourtant me dire. Qu'est-ce que tu fais avec mon art? Onochi. Quoi? J'étais venue pour autre chose, mais ma grande surprise, j'ai trouvé ces fusils. Onochi. Quoi? Tu m'as tellement déçu. Tu as cette chose. Et tes ennemis continuent de vivre jusqu'au maintenant. Pendant que ton père est sur son trône. Il n'a même pas été atteint ou blessé par cette histoire. Pourtant, il pèse de tout son poids pour que tu ne sois pas en mesure de le succéder. C'est pareil. Mettra fin à cette affaire. Et le reste deviendra une histoire. Juste une seule balle. Sois prudent avec ce truc. Quand le moment viendra, je saurai comment en finir. Laisse-moi faire ce que je fais d'abord. Je veux être couronné. Je n'ai pas besoin de tuer mon père. Lui qui ne veut pas que tu atteignes ta destinée? Ah, mon fils, si j'avais cette machine, moi, aucun de mes ennemis ne serait vivant pour raconter comment ils se sont opposés sur le chemin de ma destinée. Puisque je les aurais finis tous. C'est l'histoire, une fois pour toutes. Mère, fais très attention avec ça. Mon prince, tu sais que je t'aime. Non pour la royauté et non plus pour ce que je peux bénéficier. Je t'aime pour ce que je ressens pour toi. Les dieux t'ont rejeté, mais cela ne me fait rien du tout. Ça ne me dérange pas parce que je sais que nous allons toujours fonder une famille heureuse. Je sais que le roi est très gentil et il ne voudra pas que vous et votre mère soyez chassés. Alors s'il te plaît, mon prince, n'acceptez pas qu'il puisse se battre avec les dieux. S'il vous plaît, je vous en prie. S'il te plaît. Que veux-tu que je fasse? Mon prince, je veux que tu dises au roi que tu n'es plus intéressé au trône. Oui, dis-lui qu'il peut accepter que Onochi soit couronné. Mon prince, s'il te plaît. Et tu penses qu'il s'y pliera? Mon prince, tu n'as pas de choix. Tu n'as qu'à lui dire que tu n'es plus intéressé au trône. Crois-moi. S'il te plaît. S'il te plaît, mon prince, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est moi le garant de notre tradition. Je sais. Mais il y a des traditions presque révolues qui doivent être abolies. Nous ne pouvons pas continuer à pousser notre peuple à la discrimination et à la stigmatisation. À cause de quelque chose qui s'est passé compte tenu des accidents de la vie. Je veux dire, c'est démoniaque. Ce n'est pas seulement démoniaque, mais ça n'a pas de sens. Maltraiter les gens et les déconsidérer juste à cause d'un accident du passé. Votre Majesté,
Ceci ne concerne pas seulement notre tradition, mais toute la terre des Igbo. Vous seul ne pouvez pas le changer. Ah. Oh non, Votre Majesté. Je pense qu'au moins quelqu'un doit entamer la procédure. Et par la chance de l'histoire, ce sera moi aujourd'hui. Votre Majesté, mais pas pendant ce moment crucial. Il ne nous reste que 8 jours. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu veux dire? Salutations, Votre Majesté. Je te salue, l'œil de Dieu. Votre Majesté, vous avez peut-être échappé à la colère de Dieu en laissant un paria vivre dans la royauté. Ige Ozomba, les dieux n'épargneront pas Aro ou Moinze. Si un homme qui n'est pas digne est choisi comme le prince légitime, vous avez 7 jours. 7 jours pour couronner votre successeur. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime, Lolo. Mais la dernière fois que j'ai essayé de l'approcher, merci. Merci. Toston, bienvenue au palais encore une fois. Merci. Alors, raconte. La dernière fois que j'ai essayé de l'approcher, il était tellement violent et pas poli avec ses réponses. Ça ne doit pas te déranger. Ne te dérange pas pour ça. Tu sais quoi? Je vais parler avec lui. Sois juste calme. Ok? Tu es une très belle fille. Avec cette beauté, crois-moi, il va finir par tomber amoureux de toi. Au fait, il va t'aimer plus que tu ne l'aimes. D'accord? Ok, merci. Je l'aime. Je n'ai aucune raison de l'écouter. Je vais abolir cette maudite tradition qui n'a pas de sens dans ce royaume. Et mon peuple ne sera plus soumis à ça. C'est démoniaque. Votre Majesté, il ne s'agit pas seulement de la tradition d'Aroumoïté, mais il s'agit de la terre. Oui, je sais, mais nous pourrons servir d'exemple. Si les gens trouvent que nous avons réussi, ils vont nous suivre, ils vont se joindre à nous. Mon père n'était pas bête. Lorsqu'il avait pensé mettre plusieurs canapés dans ce salon, c'est clair qu'il voulait que ça puisse contenir plus d'une personne. Toi,
Dois-je le considérer comme un oui? Fais ce qui te plaît. Concentre-toi sur la télé. Comme ça, je n'aurai pas de problème avec toi. Mère, je ne peux tirer sur père. Vraiment? Exact. Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle tu ne peux pas le tirer dessus. Parce qu'il est mon père. Et il est un grand roi. En tant que roi, crois-tu qu'il peut manquer une protection? Exact. Et en tant qu'un grand roi, les dieux seront totalement de son côté. Mère, comment peux-tu penser que cette arme peut le tuer? Oublie un peu ça. Pourquoi perdre mon temps à utiliser ma balle sur quelqu'un qui est déjà proche de sa tombe? Bien sûr, cet homme ne peut pas vivre indéfiniment sur ce trône. Même si je lui tire dessus, le diable ne me le pardonnera pas. Nous n'avons pas besoin de pardon de Dieu pour l'instant. Tu vois cet homme qui est assis sur ce trône? Vivra jusqu'à voir sa deuxième génération, pas seulement sa dégénération, puisque les taux de mortalité dans sa lignée est minime. Son père biologique est mort à l'âge de 110 ans. Pourquoi tu es aussi lâche? Lâche? Oui, tu l'es. Désolé, mon prince. C'était déjà décidé. Ne reviens plus là-dessus. Je vais vous poser une question. Je t'écoute. Quelles sont les qualités que vous désirez voir chez une femme qui vous feront tomber amoureux d'elle? Premièrement, un bon comportement. Deuxièmement, elle doit être sage. Troisièmement, elle doit être intelligente. Et plus important, elle ne doit pas être honteuse comme toi. Tu as entendu toutes les qualités que je désire chez une femme. Tiens. Mère, cette arme ne contient aucune balle. Bien sûr. Et tu sais très bien que mon père, le roi, a quitté ce palais très tôt le matin. Et hormis cela, si je tire de cette arme dans ce palais, ça fera énormément de bruit. Et tu sais ce que ça veut dire? Tout le monde saura ce qui se passera. Mère, cette arme ne peut pas le tuer. Dans ce cas alors, tu es son favori. Cela ne lui laissera qu'une seule option. De faire ce que nous voulons. C'est connu de tout le monde qu'il n'a personne d'autre que lui. Allez, tiens. Père. Je ne veux pas devenir roi. Père, je sais que cela va te toucher différemment. Mais la vérité, c'est que j'essaie de sauver ce royaume de la calamité imminente que mon couronnement va apporter. Et aussi sauver ta bonne réputation. Père, la vérité est qu'il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucune chance qu'un paria se retrouve à la tête de Fribourg. Ma présence dans ce palais est déjà une grande faveur. S'il te plaît, Père, je t'en supplie,
permet à Onuche de te succéder en tant que roi. Je te demande pardon. S'il te plaît. Lève-toi, fils. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Mais te dire la vérité, mon fils, tu m'as profondément déçu. Désolé, père. Sors d'ici. Je suis désolé, père. I wish I can turn things around. I wish I can change this situation. But we can't waste on the girls. Maman. Oui, bébé. Rien ne marche avec lui. Vraiment? J'ai beaucoup souffert pour avoir l'attention du prince. Et que fait Lolo à propos de ça? Elle fait de son mieux. Mais son fils est amoureux d'une autre fille. Amoureux? Mais c'est une servante. Une servante? Oh mon Dieu! Hé, hey, tu es venue nous rendre visite, ma chérie. Hé! Hey. Salut. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Tu m'as surprise, tu m'as pas dit tout. Arrête ça, s'il te plaît. Ne me dis pas que tu as fait venir ma fille ici pour se faire insulter. Maman veut que tu fasses couler le sang. Et pas le sang de n'importe qui, le sang du roi. Et qui est-ce qui t'a dit ça? Elle sait déjà que je le sais. Est-ce pour ça que tu m'as appelé ici? Non. Je suis contre la façon dont toi et maman poursuivez ces trônes. Si nous restons en bon terme avec la reine mère et ses enfants, ils vont bien nous traiter lorsque aucun ne deviendra roi. Si ce n'est pas pour la raison que je t'aime à un point que tu n'imagines même pas, en tant que mon petit frère biologique, j'aurais enfoncé ta langue dans ta gorge. Depuis quand est-ce que tu me prodigues conseil pour permettre à un paria, un esclave, de diriger ce royaume? Tes menaces ne m'empêcheront pas de dire la vérité. Oh. Si ce n'était pas la transformation que maman t'a fait subir, papa ne serait pas dans la merde en ce moment. Il aurait bien voulu que tu deviennes le prince légitime, mais ton attitude l'a rendu impossible. Au point où il est obligé de choisir un paria, de diriger le trône à ton détriment. Je suis plus âgé que toi, avec 10 bonnes années. Cela fait de moi ton grand frère. Fais attention à la façon dont tu me parles parce que tu peux ne pas être chanceux. L'âge n'est qu'un chiffre, mon frère. La sagesse est un cadeau. Ce n'est pas tout le monde qui en a. Si j'étais à ta place, j'aurais fait la paix avec Prince Okena. Avec ça, père peut changer la vie. C'est la première fois que je t'ai appelé pour te donner ce genre de conseils. Et ça pourrait être la dernière. S'il te plaît, pense-y. Ok, Zier. Si tu continues comme ceci, tu seras la première personne que j'utiliserai pour un rituel. Thank you.
Hé, attends. Tout va bien? Où comptes-tu aller comme ça? Qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à y croire que tu n'aies pas compris qui tu es. Probablement, tu dois avoir oublié l'être qui a attrapé. Tu es un ossou. Et là, c'est un crime. Une abomination. Pour un ossou de conduire une même voiture qu'avec un homme libre. Alors laisse-moi te prévenir pour la dernière fois. Je ne veux plus te voir conduire ne serait-ce qu'une seule de ces voitures à nouveau. Dis par qui? Adi Onuchi, l'homme libre de ce royaume, l'héritier apparent au trône. Maintenant, redonne-moi les clés. Remenez-moi tout de suite. Mon prince, le roi demande à vous voir à l'intérieur. Non, ça ne va plus se répéter. Au fait, c'était mon erreur. Celui-là n'est pas encore assez mature. C'est un garçon. Il lui faut encore un peu de temps pour qu'il comprenne. Vraiment? Oui. Tu sais, je connais mon problème. C'est comme je t'avais dit, nous avons des problèmes qui risquent d'apporter des calamités dans le royaume pour lesquels nous cherchons des résolutions. Ces problèmes sont tellement sensibles pour la famille. Ça me prend tellement la tête que je ne trouve plus le temps de parler avec mon fils comme une mère. Hein? Laisse-moi te rassurer que je vais parler avec lui d'un moment à l'autre. Et dès que cela sera fait, il pourra commencer à sortir avec ta fille. En fait, il est un bon choix pour elle. D'ailleurs, il va immédiatement la proposer. D'accord. Ça sera une bonne chose. Je t'en prie, fais-le ma meilleure amie. Je le ferai. Tu sais que tu es mon amie. Je ne serai pas d'accord d'entendre ce genre de rapport la prochaine fois que je viendrai. Bien sûr que oui. Je ne me souviens pas t'avoir dit de t'asseoir. Il te faut ma permission avant de t'asseoir. Debout. Tu peux t'asseoir. Je préfère rester assis. Toute ma vie, je n'ai jamais renoncé à une annonce que j'ai faite tout en étant assis sur le trône de ce royaume. Mais du moins, j'ai subi de la pression pour faire cela. Et je voudrais qu'on se souvienne de moi pour cela, pour les générations à venir. Mais je suis forcé à renoncer à ma décision. Quelque chose en moi me procure le courage et ce sentiment très fort que je suis sur le point de commettre une grosse erreur qui pourra se répercuter sur moi dans l'avenir. Mais je regrette de t'annoncer que tu seras choisi comme le prince couronné de ce royaume.
demain. Majesté. Jusqu'à demain. Devrais-je m'asseoir ou tu veux que je parte? Très bien. Igwe de notre royaume. Amen. Votre père a accepté de faire d'Onoutier son successeur. Vraiment? Et qui l'a demandé de le faire? Okena et moi. Oh, il fallait sauver ce royaume de la calamité. Oh, c'est bon. C'est juste que j'ai un petit souci avec ça. Et qu'est-ce que c'est? Maman, tu sais très bien qu'il ne va pas hésiter de nous bannir de ce royaume une fois que papa ne sera plus en vie. C'est ça ma crainte. Rien que ça, ma fille. T'inquiète, ça va aller. Ugoma, viens. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pour l'amour des dieux, qu'est-ce que cette fille a que Adézé n'a pas? Vas-y, parle. Dignité et le respect de soi-même. Oh, je vois. Donc vous deux là voulez que je reste au palais pour que je lui laisse Ugoma. Dieu merci, je ne peux pas faire partie de ces plans maléfiques. Oh, ferme-la, ferme ta bouche. Que je la ferme pour toi, zinzin. Rien du tout. Je suis peut-être ton fils cadet, maman, mais je suis assez âgé pour savoir ce que je veux. Pour moi, Adèze n'est rien d'autre qu'une jolie, ravissante fille sans honte. Si elle serait en mesure d'avoir ce qu'elle veut, peut-être que... Tu peux fermer ta bouche? Ferme ta gueule, insensé. Tu sais combien ça m'a coûté pour convaincre sa mère pour qu'elle vienne ici? Bien sûr. Tu crois qu'elle est aussi moindre que ça? Tu crois qu'elle est une pétasse puisqu'elle est venue cohabiter ici? Écoute, tu vois cette fille? Elle est loin d'être comparable à cette bonne. Et c'est bien, c'est une bonne à rien. Tu te prends pour qui? Elle est de la même classe que toi. J'aurais souhaité avoir d'autres options pour en faire le choix. J'aurais certainement pris cette option au lieu de faire de lui le prince couronné de ce royaume. N'eût été le fait que nos ancêtres pouvaient rendre ma vie misérable et qu'ils pourraient aussi me rejeter quand je serais parti dans l'au-delà, j'aurais même souhaité un homme de Déon de s'asseoir sur le trône d'Aro ou Moïse. Cependant, le vin est déjà tiré. Laisse-moi te dire, qui tu le veilles ou pas, je vais te croire encore, près de cette sale chose. Oh. Finalement. Pourquoi tu es aussi excité? Finalement. Rache le morceau, non? Finalement. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. Tcha, devine quoi, maman? Mais c'est quoi? Mon père.
le plus beau de tous les papas du monde, le meilleur roi de tout l'univers, vient juste me sélectionner pour être son successeur. Il a dit demain, je serai couronné son successeur. Maintenant, allons droit au but pour lequel nous sommes ici. Onoji, agenouille-toi devant le trône. Par le pouvoir qui m'a été conféré comme au nom de ce royaume, je suis là pour te couronner comme... Chose était arrivée lorsque on commence à être couronné. J'en sais rien. Je ne sais rien. Peut-être que le livre va se passer que c'est passé dans ce palais. Vous voyez pourquoi je voulais qu'il fuit immédiatement. Vous voyez pourquoi je voulais qu'il parte. Ezemo, c'est quoi ça? Il veut vous mettre. Kaka ne coupe pas noyer. Et même lui n'est pas digne d'être couronné comme le prince héritier du trône. Et qui a dit ça? When I thought everything has been settled, when I thought I'm to enjoy this throne, but forgot what it be done. When I thought I'm to enjoy this throne, but forgot what it be done. Chimo, okay, me funerim. Chimo, our tradition. I'm tradition. Tradition. N'essaie plus jamais de m'appeler ton fils. Plus jamais. Comment as-tu osé m'infliger une telle humiliation et un tel embarras, maman? Je ne sais même pas de quoi tu parles. N'essaie même pas de me mentir. Ne sais même pas. Tu ne sais pas de quoi est-ce que je suis en train de parler. Alors tu ne sais pas que tu es une Osu? Dis-le-moi! Ah, oh, ça te dérange de me le dire. Tu n'as pas le courage de me le dire et tu t'es permise de me laisser me faire humilier devant le trône. Tu m'as menti. Pourquoi? Non, mon fils. Les dieux ne sont pas en train de nous embrouiller. Ta mère n'était pas au courant de sa vraie origine et même de sa famille. Alors il est aussi possible qu'elle soit un Osu.
Oui. C'est juste malheureux que Lolo elle-même tombe dans la même catégorie à cause des actes honteux de sa mère. Son acte honteux? Comment? Le roi vient de me dire il y a quelques minutes que Ezewa les a révélé que Lolo est une sous et cela a été causé par la stupidité de sa mère. Il a dit que la mère de Lolo était mariée à un homme noble de notre royaume. Mais elle trichait son mari secrètement avec un sous. Et comme résultat, elle était restée enceinte de cet homme. Donc Lolo est le résultat de cette tricherie. Quoi? Personne n'était au courant de ses secrets parce qu'elle le gardait très jalousement. Jusqu'à aujourd'hui, quand son fils était sur le point d'être couronné le grand prince, les dieux ont détecté qu'il y avait le trace d'ossous dans ses veines. Ah, tu vois, les dieux sont sages. Les dieux sont sages, c'est vrai. Maman, quelle façon horrible t'es tombée victime de cette tradition. Je sais qu'à présent, il se couvre le visage avec la honte. Mais tu sais quoi, maman? Tu vois, c'est cette humiliation qu'ils nous donnaient. Je vais leur rendre cela au sensible. Je vais me rassurer pour qu'ils en aillent plein les poches. Je suis très impatiente de voir cela, ma fille. Très impatiente. Je vais leur faire payer. Je ne te le pardonnerai jamais d'avoir ruiné ma destinée. Il a été révélé que notre jolie demoiselle ici présente est la fille d'Inosu. Donc, tu seras traitée de la même façon que j'ai été traitée. À ton tour de recevoir les humiliations, ma belle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, s'il te plaît, minute, ma chérie. Bien sûr que tu ne sais pas de quoi je parle, mais je vais te le faire savoir. Ce que tu dois faire maintenant, c'est entrer là-bas et demander à ta tendre mère qui est son père biologique. Bien sûr que ce n'est plus un secret, donc je ne vois pas pourquoi elle va s'empêcher de te le dire. Qu'elle te raconte la vie de sa mère. Ma belle, demande-lui à propos de sa mère et comment c'est qu'elle est devenue une osu. Onochi, maintenant, c'est très clair que ton nom n'a rien à faire avec ta destinée. C'est aussi très clair que nous sommes tous des parias. Maintenant, tu vas me donner le respect que je mérite, n'est-ce pas? Okena, ne réveille pas la terrifiante bête qui sommeille en moi. Parce que ça peut te coûter beaucoup de choses si tu le fais. Écoute, je ne suis pas un poltron. Ne me vois pas comme un lâche. J'ai toujours permis à la paix de régner. Donc ne prends pas ma gentillesse pour de la faiblesse. Dorénavant, je ne vais tolérer aucune forme d'insulte, d'embarras ou d'humiliation de ta part. Si tu me le donnes, je vais te le donner. Je pense que tu m'as compris. Va te faire foutre. Mon prince,
Ogomo. Ce n'est plus un secret. Oh, j'ai appris la nouvelle. Alors, Ogomo. M'aimes-tu toujours? Mon prince, je t'aime toujours. J'ai appris que l'on avait ramené une autre fille pour que tu puisses l'épouser. Est-ce que c'est vrai? Arrête de m'appeler! Arrête ça! Parce que je suis en colère! Je sais. Je suis en colère! Je suis désolée. As-tu vu ce que Okena m'a fait à moi? As-tu vu comment il m'a humilié dans le palais de mon propre père? Tout ça à cause de toi et de ta putain de mère! Exact! Si elle n'avait pas quitté son mariage, durant toute sa putain de vie, tout ça ne serait même pas arrivé! J'étais si proche, j'étais très proche de ma destinée, de m'emparer de ma destinée, et toi et ta putain de famille me l'avez juste pris. Ne me blâme pas, mon fils. Qui suis supposé blâmer? Ce n'est pas de ma faute. Alors à qui la faute? Ma pauvre mère. Ta pauvre c'est mère. C'est elle qui a causé tout ceci. As-tu oublié? Tu m'as demandé de prendre l'arme et de tirer sur quiconque se met en travers de mon destin. J'ai une arme actuellement. Oui, j'ai une arme actuellement. Maintenant, devine qui se tient devant mon destin. Toi ainsi que ta famille. En tant que mère, j'attends tes instructions. Devrais-je tirer? Devrais-je tirer parce que je vais tirer? Tu ne peux pas tirer ta mère. Tu ne peux pas tirer sur moi. Non, je suis désolée. Je suis désolée, mon fils, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je suis même presque incertain que moi ainsi que mes frères sommes des enfants biologiques de mon père. Quoi? Et je suis en train de me préparer parce que je sais que bientôt nous allons avoir une autre humiliation. When I thought everything has been settled, when Jen defied the gamma, when I thought I'm to enjoy this throne. When I thought I'm to enjoy this throne, but what did it be do? Chimo, Okeme Funarim, Chimo, our tradition, Omeremi Fe, our tradition, Omo, our tradition. Life is deep, this life is too big. We need to be careful. Makikiji mayara madibegi. Kageji kwa mwere mayakwa logi. Onye natu madu wafumpula kanazu. Nekwa nitoni mefando natu gyo. Onwero kwa onye juwe mamu. Que veux-tu? Pourquoi tu me hais autant? Je ne te hais pas. Adaz,
Tu es très jolie. Une reine. Le problème est la façon dont tu veux te faire désirer chez moi. Ça me dérange beaucoup. Ma mère n'est pas allée. Même pas pour ça, on dépouille mon père biologique. Ce qui veut dire que c'est au mari de ma mère qui revient le blâme. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que c'était ta mère qui avait triché et non lui. Ça, c'était le résultat des maltraitances qu'elle a subies de son mari. Ma mère a beaucoup souffert pour m'élever, moi et mes frères et sœurs. Elle nous a élevés par son sueur. Puisqu'elle avait un mari qui ne prenait pas bien soin d'elle. Son mari était un chômeur ivrogne. Elle ne s'occupait pas de sa famille, ou encore de ses enfants. Par le souci de donner une bonne vie et préparer un bon avenir pour ses enfants, elle s'est tournée en Nyekoé, qui avait promis de l'aider. C'est ce que les hommes sont capables de faire. Et s'est saisie de l'occasion pour prendre de l'avantage sur elle. Comment dire que cet acte n'était pas intentionnel? Adana, s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. S'il te plaît, ma fille, c'est ça la vérité, pardonne-moi. Je suis noble, ma mère également. En fait, tu reconnais la vie de ma mère à travers la mienne. Ma mère était noble, moi je le suis aussi. Pardonne-moi, ma fille. Ne me rejette pas. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Mon prince, je t'aime. Je n'étais même pas informée de la raison de ma venue ici au palais. Et avant qu'on me le dise, je me sentais déjà attirée par toi. Pour être franc envers moi-même, je t'aime, Adèse. Je n'ai aucune bonne raison de ne pas t'aimer. Tu es très jolie. Mais il y a cette vilaine vérité à propos de moi. Et ma crainte est... Si tu vas toujours m'aimer après l'avoir entendu. Dis-le-moi. Je te promets, mon amour. Je suis un paria. Comme tu le sais. Les parias dans la tradition Igbo, ce sont les gens qui ont les traces de l'esclavagisme. Ils sont à la merci des gardes. Ces gens en particulier étaient donnés en sacrifice aux dieux pour les apaiser. Et ils ne peuvent se marier avec des personnes normales ou cohabiter avec. Ils sont faits pour vivre dans des sanctuaires ou près du marché. Et ils ne peuvent entrer au marché que lorsque les personnes normales auront fini. Leur travail, c'est récupérer les déchets au marché. Et comment tu arrives à vivre au palais tant que prince? On me jettera bientôt. Très bientôt. La foudre qui s'est abattue aujourd'hui au palais m'a révélé cela. Mais il y a encore un désavantage. Celui qui épousera un paria doit mourir dans 3 jours du marché. C'est ça, ma fille, je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. Adèse, où est-ce que tu vas avec ta valise? Je rentre à la maison de ma mère. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vivre avec le paria. Je m'en vais. Attends que ta mère vienne te chercher, s'il te plaît. J'ai encore un peu d'argent sur moi, je prends le transport, ça ne me dérange pas. Je suis arrivée jusqu'à ce moment, je m'en vais. Adèse! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as dit?
La vérité, maman. Quelle vérité? Que nous sommes des parias. Voilà la personne qui t'a choisie pour moi. Elle ne peut même pas rester avec l'homme qu'elle prétend aimer juste parce que c'est un paria. Devrais-tu lui dire? Oh oui. Ugoma va m'embrasser. Il regardera droit dans les yeux et me dira, ne t'inquiète pas. Même si on me jetait en dehors du palais. Voilà ce qu'on appelle amour vrai. Ça dépend de la manière dont l'information lui est parvenue. Ça dépend de comment tu lui as donné cette information. C'est toi qui l'as causée. Elle n'a pas tort de réagir ainsi. Afam. Afam. Hein? C'est maintenant clair que bientôt, la royauté de ce royaume deviendra un endroit politique. Et qu'est-ce que tu veux dire exactement là? Ouais, ce que j'ai en réalité est que j'ai l'intention de déposer ma candidature pour devenir le président. Tu as dit? Désolé, oublie ça. Tu connais les politiciens, non? tu sais que en tant que politicien, chaque fois que tu parles, tu parleras certainement de la politique. Donc c'est pourquoi. Donc ce que je disais est que j'ai l'intention de postuler pour la position de devenir le roi. Ouais, hein? Je crois fermement que je gagnerai. Tu sais pourquoi? Parce que les trois princes sont tous disqualifiés. Et je vais faire de toi mon président de campagne. Merci de me remercier. Emenike, pourquoi est-ce que tu parles avec autant de confiance? Parce que je l'ai vu dans mon rêve. Quand j'étais sur le point d'être couronné avant que la femme là ne soit venue me réveiller. Je te dis. Emenike, réveille-toi. Je me suis réveillé depuis. Ça ne peut jamais arriver. Ça ne peut jamais arriver, mon Dieu. Ça ne pourra jamais arriver alors. Ça ne pourra jamais, 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 jamais et pour toujours jamais arriver. Je t'ai dit. Imbécile, voyou. Non, idiot, reviens ici. Quelqu'un que je voulais aider. Hein? Moi, je voulais faire de toi mon directeur de campagne. Pense que c'est facile d'être un directeur de campagne et tu dis des bêtises. Au fait, le jour où, par la grâce de Dieu, j'épouse la princesse et deviens le roi, je te décapiterai. Idiot. Toi que je voulais aider. En tout cas, je ne te blâme pas. Je blâme moi-même pour avoir décidé de t'aider. Regarde-le, ça ne peut jamais, 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 ouais, jamais, 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 tu ne réussiras. Idiot, animal, écoute-moi bien, rien ne marchera pour ta famille. Qu'est-ce que tu veux avec les gens dans ce palais? Honorou, votre majesté, le trône traditionnel du royaume d'Arumwese ne quittera jamais ma famille tant que je suis encore en vie. Ça n'arrivera jamais. Que devrais-je dire à mes ancêtres? Votre Majesté, je comprends ce que vous ressentez. Mais ce n'est pas de votre faute si vous êtes chanceux. Vos ancêtres vont comprendre. Non! Ils ne vont pas comprendre qu'un roi à mon niveau, très puissant et en vie, en train d'observer comment le trône est en train de quitter ma famille? Non, ça sera une très grande humiliation. Ça sera une chose que je ne permettrai jamais aux gens d'écrire dans mon histoire. Jamais. Ce trône va rester dans ma famille. Votre Majesté, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la tradition que vous protégez. C'est vous les garants de nos coutumes et traditions. Allez-vous accepter qu'un paria soit couronné comme le prince légitime? Nous devons inviter l'homme le plus âgé dans la famille des nanas pour les couronner comme votre successeur, puisque sa famille est la suivante dans la lignée royale. La royauté doit quitter votre famille. Jamais! La royauté ne quittera jamais ma famille.
ça n'arrivera jamais. What? Tu veux dire que ta mère est la cause de tous ces problèmes que tes enfants et toi êtes en train de traverser maintenant? C'est vraiment triste. Le pire est que mon fils croit que ma famille a perdu sa chance d'être en tête de la direction de ce royaume. Il dit que j'ai ruiné sa destinée. Tu ne peux croire comment ces jeune homme me raconte des choses imaginables. Donc, essaies-tu de condamner ces jeune homme? Ces jeune homme était sur le point d'accomplir son destin. Avant cette révélation choquante, il devait au moins me comprendre. Ce n'est pas de ma faute. Peu importe ce qui arrive à la famille, je suis sa mère, il ne pourra le changer. En sous une paria, je reste sa mère. Votre Majesté, il ne nous reste que 3 jours. Le temps ne joue plus à notre faveur pour que vous fassiez ce que vous voulez. Honorou, Votre Majesté, je suis le roi Uzumba Nemeka Achebe, le lion de ce royaume, et je me tiens à ce que je dis. Le trône traditionnel du royaume d'Arumwese ne quittera jamais ma famille. Oui! Je vais donc abolir cette ancienne pratique abominable du système d'Osu et je vais libérer mon peuple de la stigmatisation. Et alors, mon fils deviendra roi de ce royaume après moi, quand j'aurai rejoint mes ancêtres. Ainsi soit-il. Je n'arrive pas à y croire. Honnêtement, c'est incroyable. Alors, que comptes-tu faire? Je me sens un peu perdue. Rien n'est encore trouvé comme solution à ce problème. Tu sais comment mon mari est un récalcitrant. Il tient sur ce fait que le bâton de la royauté ne quittera pas sa famille. Vraiment? Oui. Même dans cette situation, il veut permettre à Enosu de diriger ce royaume. C'est ce qu'il compte faire. N'es-tu plus, mon ami? C'est sa conviction. Ça, ce n'est pas mon problème pour l'instant, puisque ma vie est tellement pleine. J'ai besoin de passer à autre chose. Dis-moi un peu comment va Adézé. S'il te plaît, ne va même pas là-bas. Non! Ma fille est née libre et elle ne va pas se marier à Enosu. Même pas parce que tu es mon ami. Non! Tu te moques de moi? Vraiment? Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens prennent toujours la vérité comme une insulte? Pourquoi? Attends, n'est-ce pas que tu es Enosu? Hein? Toi et toute ta descendance. Ma chère, les gens qui sont nés libres ne sont pas permis d'avoir une relation avec vous, encore moins de se marier avec vous. Ce n'est pas moi qui avais créé cette loi. Je suis venue au monde et je l'ai trouvée. Tu dois comprendre cela. Ma fille ne va pas se marier à ton fils. En tout cas, pas parce que tu es mon ami. Ok. Nous avons rien à faire. Il est calme. Abakute gonte, non longte. Ce qui est plus grand que la calebasse est venu déplacer la calebasse de son endroit habituel. Ce que les dieux ont prévu pour nous étant une famille est sur le point de nous être arrachés. Mais je vais me battre. Pas seulement comme roi, mais comme chef de la famille et comme un père pour faire en sorte que le trône traditionnel reste dans cette famille. Mais vous tous, vous devez me rendre un service en restant calme et unis. Si la paix ne règne pas parmi vous tous, je serai donc assujetti d'abandonner ce combat et vous laisser souffrir. Car, après ma mort, je vais rejoindre mes ancêtres. Vous tous allez rester ici pour faire face à la souffrance, à la maltraitance et à l'intimidation étant prolétaire. Alors, ces combats,
et pour votre bénéfice. À bon entendeur, un seul mot suffit. Bien, père, j'apprécie vraiment ta décision. Mais j'ai juste une question à te poser. Si vraiment tu réussis à abolir cette tradition, then among us becomes the king. Même chose. Non, la reine mère n'est pas comme moi. Elle a un très bon cœur. Et parle-moi de ça. Non, ils vont nous pardonner si nous nous humilions sincèrement devant eux. Ils nous feront miséricorde. Nous avons juste besoin de leur demander pardon. Maman, comment penses-tu qu'être introduit dans cette humiliation serait la meilleure chose? Comment? Oui, c'est la meilleure des choses à faire. Oui, parce que les gens se sont tournés contre moi. Mais mes amis, regarde mon ami qui était venu de Londres. Je l'ai supplié, lui demandant que sa fille épouse mon fils. Et quand elle a appris que j'étais innocent, elle a refusé. Elle dit qu'elle ne mettra plus jamais ses pieds encore chez moi. Regarde ton frère, mon propre sang. Il me regarde maintenant comme son ennemi. N'est-ce pas qu'il serait mieux pour moi de déposer les armes, de mettre bas la terre? En ce qui me concerne, je vais juste rester lolo, pas plus, pas moins, qui de m'engager dans un combat où je vais potentiellement perdre. Ma fille, dans la vie, rien n'est plus précieux que la paix. La méchanceté ou la violence n'assure pas toujours la victoire dans un combat. Laisse-moi alors réfléchir à une autre solution. Désolée, ma chérie, je suis en voie de faire la paix. Je préfère rester vivre dans ce palais, dans la paix, tant que lolo, et d'être rejetée, humiliée devant tout le monde. Rien ne va arriver, s'il te plaît, laisse-moi d'abord réfléchir. Oh, qu'est-ce que tu crois? Je me calme. Je suis calme. Alors dis-moi, comment est-ce que tu as pu le faire? Tu sais, dès le départ, je t'avais dit que je n'ai rien à faire avec cette fille. Mais tu pensais que je mentais. J'ai d'abord commencé par lui faire peur. Elle est vouf, elle a complètement disparu. C'est bien. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Bon, je t'écoute. Es-tu prête? Allez, dis-moi, mon prince. T'en es sûr? Dis-le-moi. Ok. Ma mère, la reine, vient de considérer notre relation. Tu blagues, n'est-ce pas? Je suis sérieux. Tu es sérieux? Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas Igwe Zwemba, pourquoi êtes-vous en train de combattre les dieux qui vous protègent en allant à la contre des traditions que vous protégez? Ezemo, permets-moi de te contredire. Je ne suis pas coupable de tout ce que tu viens de me dire. Je ne suis qu'un roi qui s'inquiète de la maltraitance et la discrimination à l'égard de son peuple.
qui sont maltraités et méprisés à cause d'un accident de l'histoire. Le système que vous voulez abolir a existé avant même l'existence de vos ancêtres. Très bien. Et c'est pour cette raison que je vais l'abolir, car c'est trop archaïque et ça ne concorde pas avec l'évolution actuelle de notre monde. Hugo Zwemba, avez-vous déjà vu quelqu'un qui cherche à se tirer une balle dans la jambe? Vous creusez votre propre tombe. Vous ne pouvez pas abolir ce que vous n'avez pas créé. Bien, Ezemo. S'il faut que je meure, je mourrai. L'on se souviendra de moi par des générations à venir. Mais si j'ai réussi... L'on se souviendra de moi par les générations à venir. Je serai reconnu. Mon nom sera écrit dans les annales de l'histoire comme le roi qui a sauvé l'humanité. Voilà ce qui est plus important à mes yeux. Vous n'avez qu'un jour pour faire le choix. Qu'un seul jour. Soyez les bienvenus, chers nobles rois de notre région. Merci d'avoir répondu présent à cette réunion très délicate. C'est en effet une réunion très importante que j'ai convoquée à cause du sujet dont nous devons parler. L'abolition du système d'Osu. Il y a des années, nous avons perdu beaucoup de fils et filles dans cette région. Je crois que tout être humain est né égal. Nous sommes tous humains, et même ceux-là que nous appelons les Osu. Mais ce n'est pas du tout bien qu'un groupe de gens soit maltraité et condamné à cause d'un simple accident de l'histoire. Nous devons en mettre fin. Et c'est pour cela que je vous amène cette proposition. Que le système d'Osu doit être aboli dans cette région. Que notre peuple soit libre et que la stigmatisation s'arrête. Je vous supplie, et je fais recours à votre conscience, de me soutenir dans cette cause. Merci. Hugo Zumba, j'ai une question pour vous. Ce système de sous-quête dont vous ne cessez de plaider pour son abolition, est-ce à cause de votre nature humaine ou juste pour votre égoïsme personnel? Oui, votre égoïsme personnel, tout ça parce que vous êtes marié à une Osu. Oui, c'est ce pourquoi vous voulez légaliser une institution que nos ancêtres ont déclarée illégale. Ceci est un arbre qui a été planté par nos aïeux.
et vous voulez le déraciner juste comme ça. Oui, vous vous êtes juste réveillé un bon matin et vous êtes décidé d'abolir un système qui a toujours existé depuis les temps de nos ancêtres. Savez-vous pourquoi cela a été établi à l'origine? Bien sûr que non. Jusqu'à ce que vous me répondez, je garde les commentaires. Igwe, j'ai deux questions pour vous. Si seulement vous pouvez répondre à ces deux questions, je vais vous donner ma réponse ici et maintenant. Là. Première question. Vous avez dit que c'est un accident. Quelle est alors la cause de cet accident? Et qui était impliqué? Là, c'est la première question. La deuxième. Est-ce les dieux qui vous avaient permis d'épouser une femme paria? Donne-moi une réponse et je vous donnerai la mienne ici et maintenant. Hugo Zombo. Oh, s'il vous plaît. Sauf votre respect, majesté. Je comprends très bien vos sentiments et comment vous êtes lié à la tradition. Je vais d'abord répondre à la question avant de poursuivre. Avant maintenant, les gens de notre communauté étaient vendus comme des esclaves. Quand le trait des esclaves a commencé, quelques-uns d'entre eux étaient partis vers les divinités pour la protection. Mais les marchands sont venus et ont pris tous les gens qui restaient pour les vendre comme esclaves. À cause de la peur, ils n'ont pas pu accéder là où ceux qui étaient partis prier les dieux restaient. Alors, ils ont développé une stratégie et les ont traités de parias parce qu'ils n'étaient pas en mesure de les atteindre. Par peur d'être appelés un paria, quand ils sont retournés, les gens ne pouvaient pas aller vers les divinités. Et ils étaient en mesure de prendre beaucoup d'esclaves et ont entraîné beaucoup de nos peuples dans l'esclavagisme. Et après des années, toutes les générations venant de ceux-là qui étaient partis prier les divinités ont été nommés parias et étaient obligés de vivre dans les sanctuaires ou dans des cabanes de marché. Et ils ne pouvaient pas parler avec d'autres personnes. C'était injuste. Ce n'était qu'un accident de l'histoire. Je suis d'accord. J'ai épousé une femme Osu. Je ne savais pas qu'elle était une Osu quand je l'ai épousée. Mais je l'ai connue il y a des années et cette belle femme est devenue ma reine. Cette belle femme m'a donné un fils qui est aujourd'hui héritier du trône de notre royaume. Avant, on nous a fait croire que si tu maries un Osu, tu vas mourir. J'ai toujours été en vie, je suis encore en vie et je suis en bonne santé. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça n'a rien à voir avec la justice. C'est juste un mauvais nom donné à un chien pour les tuer. Je fais appel à votre conscience, tout un chacun de vous, de me soutenir à cette cause, afin d'apporter la paix à notre région. Soutenez l'abolition du système de sous. Merci. Hugo Zouemba, vous avez bien parlé. Je vous ai suivi religieusement. Moi, Igwe Namani, j'épouse vos idées. Allez de l'avant, nous sommes avec vous. Moi, Roi Oji, j'adopte votre décision. Il y a trop de morts comme ça. Oui, allez de l'avant. Hugo Zumba, je suis aussi complètement d'accord avec vous que ce système doit être aboli. C'en est de trop. Ah, qui laisse les gens tranquilles? Merci beaucoup. C'est très clair que quelques-uns d'entre nous
sont d'accord, il n'y a que deux personnes qui sont contre l'initiative. De ce fait, en leur donnant le temps de réfléchir, je fais cette annonce aujourd'hui. Que pour ceux qui soutiennent l'initiative, vous avez ma permission comme leader de roi dans cette région d'exécuter l'abolition du système de sous à partir d'aujourd'hui. Igwe. Et pour votre information, je vais célébrer le mien dans 14 jours du marché. Vous êtes tous conviés à cette grande manifestation. Igwe. Votre Majesté, Lolo, je vous salue. Hein? Salut. Regarde bien cette jeune femme qui est assise là. Elle est enceinte. Aïe. Jamais. Sommes-nous sérieux? Es-tu responsable de sa grossesse? Non, moi. Non. Jamais. Non. Non, tais-toi là-bas. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est une fois vu? Est-ce que tu me l'as une fois donné? Idiote, tais-toi là-bas. Tu as oublié cette nuit. Quelle nuit? J'ai peur. Oh, tu as peur de quoi? J'ai peur de tomber enceinte. Non, écoute. Oh, le roi. Écoute. Écoute, je serai très prudent. La façon dont je le ferai, tu ne tomberas pas enceinte. Écoute, je suis un professionnel en ça. Es-tu sûr? Je te dis, en tout ce qui concerne les femmes, je suis un professionnel. Souviens-toi que je suis en train de t'aider. Je veux t'aider à convaincre le prince Okezie à t'aimer. J'ai peur. Hé, pourquoi tu parles encore de la peur? Écoute, dans ce royaume, je suis le chef de la garde. Donc ce palais, c'est petit pour moi. Écoute, c'est moi qui contrôle tout dans ce palais. Donc, ce cas est un cas mineur. C'est simple comme ABC. Bah, Okezie sera tien. Je compte sur toi. T'inquiète, calme-toi. Comme je te l'ai dit avant, en tout ce qui concerne les femmes, je suis un professionnel. La façon dont je le ferai, tu l'aimeras et tu ne tomberas pas enceinte. Juste, très calmement et doucement. Waouh. Et ça sortira. Ok. Qu'on entre. Ok. Je suis maintenant d'accord. Je ne savais pas que c'était toi, non? Oh oui, mon roi. Hey, mon roi, s'il vous plaît, je ne savais pas. Je suis d'accord. Ouais, je l'épouserai. T'es vraiment un fou. Tu es juste un grand fou. Un vrai fou, alors. Désolé, votre majesté. Femme, tu l'as entendu. Il vient de prendre la responsabilité de la grossesse. Ouais. Et il a dit qu'il voudrait épouser ta fille. À moins que je sois morte. Cela ne se passera jamais. Allons-y. As-tu entendu ça? Pourquoi tu te fais une disgrâce pour ce pari? Et pour toi, Emenike, tu auras de mes nouvelles. Merci, votre majesté. Oh, de ma vie! Ça, c'est quel genre de bêtise? Igor Zomba. Le dieu supporte votre proposition. Les dieux de ce royaume ont dit que ce qui s'était passé lorsque le prince Okena et Onoche étaient sur le point d'être couronnés n'était pas pour arrêter le couronnement, mais pour passer un message que quelque chose de grand est sur le point d'arriver à Aroumwenze. Ezemo, tu as en effet l'aide de Dieu. Merci beaucoup.
mes chers collègues rois. Ah oui. Les nobles rois de cette région. Oui. Vous l'avez entendu vous-même. Exact. De la bouche autorisée de Dieu. Voici la vraie approbation qu'on attendait. Remercions les dieux puisque ce qui avait commencé comme désagrément de la réunion de la fois passée se termine aujourd'hui avec approbation de Dieu. Quelle bonne nouvelle! Qu'est-ce que c'est merveilleux! Oui. Que tout le monde dans cette région sera reconnu comme un homme libre. Mais enfin, nous sommes tous humains et nous avons le même droit. Nous sommes libres de partager, libres de nous marier, libres de consommer les noix de cola ensemble. Oh, oui. Où se trouve tout le monde. Nous sommes heureux. Rentrez dans vos royaumes et annoncez à vos peuples que finalement, le système d'Osu a été aboli. Oui. Et ça mérite une grande célébration. Oh, oui, en effet. Oui. Et c'est ainsi que j'ai parlé. Igwe, vraiment. Life is not what you think. It can change any time. Onowu, votre majesté. C'est un moment très heureux pour nous. Oh oui, bien sûr. Finalement, le système d'Osu a été aboli et confirmé par tout le monde. Alors, nous devons annoncer à tous les royaumes, demande à l'annonceur, de marcher avec ses drums partout et que les gens viennent au prochain jour du marché. Mon fils, le prince Okena, sera nommé le prince couronné de ce royaume. Qu'ils viennent, il y aura plein à manger et à boire. Oh, nous allons nous réjouir. Tout le monde est libre maintenant. Il n'y a plus de discrimination dans cette région. Va leur dire. Vas-y. Votre Majesté, je ferai exactement comme vous l'avez instruit. Très bien. J'y vais directement. Ouais. This will bring you nothing but destruction. You cannot change destiny.